Mesdames, Messieurs, nous attendions l'arrivée de Son Excellence tchèque Chabot bin Nayat El Nayat. C'est le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de la coopération des Émirats arabes unis. Voici comment nous allons travailler. Je vais faire un petit exposé pour introduire les débats. Et après, je donne la parole aux exposants. Je donnerai la parole en premier à Monsieur le ministre d'État, à Son Excellence le ministre d'État. Et puis, je suivrai l'ordre qu'il y a sur le programme. Puis, il y aura un discutant, Alain Antil, puis les autres discutants vont continuer. Monsieur le ministre, je voudrais avant tout saluer votre présence qui m'avait été signalée très tôt. Vos collaborateurs ont secoué l'IFRI et l'IFRI m'a presque réveillé en pleine nuit pour me dire que vous arriviez. Donc, nous étions honorés et nous sommes très honorés de votre présence. Pour gagner du temps, je ne vais pas exposer l'entièreté de la note de cadrage que j'avais prévue pour démarrer cet atelier. Il paraît que la note a été distribuée et je vais juste tirer un élément principal qui a été une des conclusions que nous avions tirées à Marrakech, à la dernière conférence de Marrakech. Nous avons analysé l'État. Certains ont dit que l'État africain est faible. Et moi, j'ai carrément dit que ça n'existe pas, que c'est un appareil colonial que nous gérons. Et nous sommes tous unanimes pour dire que sans stabilité interne d'un État, il n'y a pas de progrès. Et il n'y a pas de réalisation de l'intégration africaine. Mais nous constatons que malgré les interdits portés par divers instruments internationaux, notamment ceux de l'OUA, ceux de la CEDEAO, portant interdiction des putschs et des ruptures de constitution, eh bien, la même chose se poursuit. Les putschs tous les jours, ou presque. Parfois même, on a eu récemment un putsch dans un putsch au Mali. Et tout récemment, un autre putsch encore en Guinée. Mais nous constatons que nous avons même eu coup d'État. Faisons la distinction. On appelle putsch lorsque un organe qui n'a aucune fonction politique arrive, balaye les institutions constitutionnelles et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Guinée. On appelle coup d'État lorsqu'un organe chargé d'une fonction politique par la Constitution élimine tous les autres et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Ces deux modèles, on les connaît. Mais il y a ces dernières années un nouveau modèle qui est créé, qui est né. On prend la Constitution, on s'appuie sur la procédure de révision qu'on édulcore, et puis on change la Constitution, on l'adapte à ce qu'on veut faire, et allez, on augmente son pouvoir, on s'ouvre un troisième mandat ou un quatrième mandat. Et j'entends souvent les gens parler de coup d'État constitutionnel. Les gens appellent ce procédé coup d'État constitutionnel, et je voudrais profiter de cette réunion pour soumettre à votre réflexion deux questions. À partir du fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a un putsch constitutionnel ou qu'il y a un coup d'État constitutionnel. Parce que quand c'est constitutionnel, cela signifie que c'est conforme à la Constitution. Alors moi, j'ai deux questions clés. La première question est de savoir si on ne peut pas trouver une terminologie propre pour désigner
ce procédé de contourner la Constitution pour s'attribuer des pouvoirs que la Constitution ne vous a pas donnés au moment où vous avez prêté serment de président. J'ai trouvé dans le dictionnaire français deux mots, tripatouillage ou tripotage. Alors, les plus forts en grammaire et en lexicologie qu'il y a parmi nous peuvent nous aider. Deuxième question, c'est que les instruments nombreux, j'en ai rédigé moi-même à l'époque, dans les années 90, ces instruments-là ont eu leur efficacité un temps et commencent à s'essouffler. Que faire? En septembre dernier à Accra, le sommet de la CEDEAO a décidé de revoir le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et les élections. Est-ce qu'il y a des textes qu'on doit revoir de ce côté? Voilà la grande question que, sur ce côté, je pose. Les autres questions sont les suivantes. La maladie COVID-19. Nous constatons, nous avons entendu beaucoup d'exposés là-dessus dans les plénières qu'il y a eu. La maladie COVID-19 a fait plus moins de dégâts qu'on ne le craignait en Afrique. Mais ça nous pose un problème de formation, d'unité sanitaire. Ça nous pose un problème de production sur place des vaccins. Parce que on a constaté ces derniers mois que, dans certains pays, les vaccins se sont trouvés périmés, ont été mal conservés. Alors, quid? Il faut un financement. Cela demande un financement supplémentaire des économies africaines. Deuxième volet, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques posent, à terme, dans certaines régions de l'Afrique, la question de l'alimentation. Il y a un bouleversement dans la production agricole en Afrique. Et au niveau de l'élevage, cela amène certains pays à vouloir changer le mode d'élevage. Comment élever les animaux? Parce qu'on fait la veine pâturage, c'est-à-dire que les animaux, on les promène de pâture en pâture, là où l'herbe est verte, on les amène. Quand ça s'assèche ici, on les amène à 100 km ou 150 km plus loin. Et ça augmente les litiges entre éleveurs et agriculteurs. Si bien que certains États envisagent d'organiser un élevage sédentaire. Le changement climatique accélère, le changement climatique ajouté à d'autres phénomènes, augmente et aggrave l'accélération de l'urbanisation qui entraîne un ensemble de problèmes concernant les ordures et autres. Et enfin, nous avons le terrorisme. Sur le terrorisme, je pose juste quelques questions. Pourquoi les États africains ne peuvent pas s'organiser pour que leur propre armée puisse combattre le mal qui atteint ou qui attaque leur territoire? Pourquoi? Deuxième question, nous avons entendu ces derniers temps qu'un État voudrait recourir au mercenariat. Et là, je me pose une question, en bon juriste, en bon internationaliste, je pose la question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un État africain peut légalement recruter des mercenaires? Et a priori, je réponds non. Non, parce qu'il y a deux instruments. Il y a la convention de l'OIA incriminant leur mercenariat, son recrutement, son financement. Cette convention adoptée à Libreville le 3 juillet 1977 est déjà en vigueur. Puis il y a la convention de l'ONU sur le même sujet, adoptée le 4 décembre 1989 et en vigueur. Le Mali a ratifié.
Alors, quid, je vous soumets tout cela à votre réflexion, et la liste n'est pas limitative. La méthode est que chacun s'exprime librement. Nous allons recueillir les propositions aussi, les analyser, les propositions, et cela sera recueilli et intégré à notre rapport. Sur ce, je voudrais, si son Excellence, Monsieur, son Excellence, son Altesse Cheikh Chabot bin Nahyan Al Nahyan, veut bien prendre la parole, nous serons heureux de l'entendre. Chers amis, dames et messieurs, bonjour. Bonjour. Excuse me, I'll be continuing in English. I wish I spoke French better. I'm working on my French, I promise you that. First of all, welcome to the United Arab Emirates. We are very honored and glad to have you here. And I very much hope that you've enjoyed your stay so far. And I also hope that you have had and continue to have fruitful and constructive discussions to help not only your colleagues, but also policymakers in hopefully taking the right decision and the right approach to facing common challenges and threats that may be seen in the near future. Nevertheless, I am very much delighted and honored to be here with you today to participate in this roundtable discussion. Extending from my senior leadership belief of wise leadership in strengthening international cooperation and solidarity, it is a genuine honor to represent the UAE and its capacity in all efforts to develop bridges of understanding throughout the African continent and the rest of the international world. I would also like to extend my appreciation to the organizers of this event and all the invitees who have joined us here in Abu Dhabi. It is evident that so much effort has been dedicated to its planning and execution, and you expect great outcomes. And thanks to you all for your interventions. There is no doubt that the UAE is wholeheartedly invested in the future of Africa and its people, and of course we continue to hopefully play a proactive and a valuable role in Africa, coming from our ethics and our standards and our values in providing and reflecting peace, security, prosperity, fraternity, coexistence. I'll go out of my step away slightly from my speech, but it is, I think, very relevant to say that the UAE has been founded in 1971 without one drop of blood, nor one round of bullet. We have been built with coexistence and peace, warmth, and love to one another. And this is what we want to export and showcase to our partners and our trusted allies internationally. We are excited to enter a new era post-COVID-19 when we will be able to build stronger partnerships across Africa and across the world with the hopes of creating a better future for our countries and regions, a future built on stability, security and sustainability. We understand that the only way to achieve this is through dialogue, open channels of communication, the exchange of knowledge, and above all, the development of strategic partnerships that are mutually beneficial.
The UAE is proud of its long-standing relations with the African continent and the rest of the world. We share a vision of boosting prosperity for our peoples and creating opportunities for coming generations. We are certain that we will continue to enjoy fruitful partnerships by strengthening ties of cooperation in pursuit of a more prosperous future. We will explore all available opportunities to cooperate and advance our relations, proactively engaging across different fields and sectors. We will join efforts to address global issues that influence our stability to grow as partners. We will continue to work together on pressing global challenges, including counter-terrorism and extremism, combating climate security, improving food security, and more so. To enable this, we need platforms such as the World Policy Conference that allow us to discuss the most problematic issues and collectively determine solutions. These events also bring about the opportunity to advance our relations to new heights. I would like to thank you for having me here, joining this panel and roundtable, and I very much look forward to witnessing its productive outcomes. I wish you all a happy and a fruitful time in the UAE, and very best wishes. Thank you. Votre Excellence, Votre Altesse, je voudrais, au nom de tous les participants à cet atelier, vous remercier de cet honneur que vous nous faites, non seulement par votre présence, mais également par les propos que vous venez de nous délivrer. Vous avez mis l'accent sur la tolérance et vous êtes le seul pays au monde ou l'un des rares. Par prudence, je dis l'un des rares. Mais je crois que vous êtes le seul, les Émirats Arabes Unis, seul pays au monde à avoir un ministère chargé de la tolérance. Si cet amour du prochain, vous réussissez à nous en contaminer, et ce serait merveilleux. Nous le souhaitons. Et j'étais ici, dans votre pays, il y a un certain temps, en 1995, j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays, en visite officielle, et j'avais déjà eu des entretiens dans ce sens-là à l'époque. Et cela m'est resté, et je suis personnellement heureux que vous veniez raviver cela. Alors, nous vous remercions d'être là et je vous dis que nous serons heureux si vous pouvez participer, si vous pouviez participer au débat jusqu'à la fin, si votre programme vous le permet, ça nous rendra encore bien plus heureux. Merci, Votre Altesse. Je vais donc continuer à donner la parole. Alors, je ne pouvais pas limiter Son Altesse, Monsieur le ministre d'État, mais tous les autres, je les limite à 7 minutes au total parce qu'on a commencé avec du retard et nous devons terminer à 19 heures. Et je suis l'ordre qu'il y a sur le programme qu'on m'a donné et je donne la parole à Madame. La liberté. Il y a une clé fondamentale de la tolérance, c'est la liberté. Si vous n'acceptez pas que votre vis-à-vis vous dise ce qui vous déplaît, eh bien, vous n'êtes pas tolérant. Donc, chacun s'exprime librement, nous allons en débattre, nous allons recueillir la réflexion des uns et des autres, et c'est cela qui crée le progrès. En conséquence, vous êtes libre. Vous abordez l'angle auquel vous donnez l'importance et vous nous enrichissez ainsi. Je donne la parole à Madame Nathalie Delapalme, qui est directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim. Merci.
Thank you very much, Mr. President. I will focus, if you allow me, on the COVID crisis, which you mentioned in your introduction, and its specific impact in Africa, some 18 months ahead. First, to say that we can't consider, at least in Africa, that we have entered post-COVID times. At health level, there is undoubtedly a later impact, until now milder, but rising concerns ahead. At economic and social impact, it's worse than in other regions. But on the other hand, it's probably a huge opportunity. J'ai oublié, il faut appuyer, voilà. Oui, quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton, parce que quand vous appuyez, tout est enregistré. Quand vous appuyez, le micro vient vers vous et la caméra aussi. Merci. Do you hear me? Ah, yes, it's much better. Sorry about that. Apologies. But on the other hand, so health, later impact, milder until now, but rising concerns ahead. Economic and social level, worse than in most regions. So definitely, we haven't entered post-COVID in Africa. On the other hand, it's probably a huge opportunity to review the current model. If we take health first, there is a later and deeper impact than expected. Now, why later and why deeper? Later, because we have indeed have an impressive, decisive, immediate action by Africa CDC, instructed by Ebola, and supported by strong leadership, and it's important to note that, both at EU level, African Union, and in many governments. Indeed, most countries in Africa have deployed some of the fastest travel bans globally, quickly rolled out tracing capacities, and put in place restrictive lockdown measures. Many have seen a potential correlation with the youth majority and a possible immunity induced by malaria coverage. Climate, no, but research is looking at that. Indeed, the first wave has appeared relatively late and remained initially milder than in any other regions. But maybe this was just another case of Africa lagging behind. And now, while most regions at global level are on their while most regions seem on the road to recovery, many African countries are already on their fourth wave with a speed rate that is taking more and more speed. If we take the numbers, exactly 4 months ago, on the 1st of May, we had a little bit more than 4.56 million recorded cases. Exactly 4 months now, on the 1st of October, we have 8.32, which is a rise of more than 80%, a rise that more than 80% over the last 4 months. Plus, if we are frank, we only know of data as recorded, and we need to remain cautious here because we all know the weakness of African data. Just one fact, only 4 countries out of 54 have a decent death registration system. Now, why deeper? Because it has laid bare the already fragile health systems in Africa. If we take human resources, for example, 1 out of 4 African-born physicians are currently working in high-income countries. In sub-Saharan Africa, you have less than 2 physicians for 10,000 people compared to 34 in Europe. Infrastructure and logistics then, including access to reliable energy and water, clean water. In sub-Saharan Africa, on average, you have 135 hospital beds for 100,000 people. We have 40 countries without one ventilator per country. And only a quarter of health facilities in sub-Saharan Africa have access to reliable electricity. The second point is that COVID impacts at health level
has seen has led to an upsurge of other, often stronger killers, HIV, malaria, TB, due to the eviction effect led by COVID. And most probably, current studies are now assessing that we could come back when it comes to TB to the level of 10 years ago. So this is really a matter for concern. Now, this weakness can be linked to insufficient domestic commitment up to now. In 2018, in sub-Saharan Africa, sub-Saharan African countries spent less than 2% of their GDP on public health, which is the second lowest level at global level, and which is probably linked to an over-reliance on donors' help, be it multilateral institutions, bilateral partners, or foundations. And then, last but not least, the current scandal of vaccine inequity. We have talked about it a lot over the last 2 days, but we need to remember that Africa represents almost 20% of the world's population, but only less than 3% of the current vaccinated people. And this is a matter of concern specifically for the frontline health worker. Now, if we look at the economic and social landscape, we have here a very heavy impact, more so than in any other region. At economic level, this is a heavy blow, with a kind of double confinement effect, we could say double peine. First, because the African populations were confined in their own country, because Africa has been confined from the rest of the world or by the rest of the world. And indeed, when you look at figures, there again, Africa has hit recession for the first time in 25 years, almost minus 2% at continental level in 2020. Even if, as Lionel Zinzou underlined yesterday, some countries have continued to grow. You had 12 countries in 2020 that grew. And even if indeed in 2021, the growth projected, almost 5%, is higher than what was initially projected. However, we are still falling short by, in 2021, $150 billion of the pre-pandemic projections. Secondly, the recovery is going to be slower, falling short here too of pre-pandemic projection until 2024, with a current loss over the year 2024 estimated at $850 billion by recent IMF projection. Some countries in Africa may take at least 7 years to recover their pre-pandemic level. So one point here to underline is the growing inequality on the continent between countries. I'm underlining this because this growing inequality is a matter for concern and a recipe for instability. Now, here again, why? We have the same factor somehow, which is an excessive dependency on external demand, which completely collapsed for a while, be it in commodities or in tourism, which was a growing business in Africa over the last 10 years. Social, what do we see at social level? A very heavy impact there too, leading there too to growing inequalities, this time within the countries. What do we see? At education, we have seen everywhere in the world, children out of school. 28 weeks in average, which is roughly the global average. The big difference in Africa is the lack of remote learning tools. So these children out of school, they have lost 1 year of education. And there has been a particular impact for the girls, because the studies have shown that many of these out-of-school girls got pregnant and will never go back to school. So it's something that needs to be watched. We are seeing gender issue with growing violence against women.
we see poverty issue with a growing number of poor. Probably a projection made by assessment made by UNICA, 40% of total population of the continent in 2021 will be in a situation of extreme poverty. Food insecurity. The COVID crisis has arrived on top of probably one of the worst locust plague over the last 70 years. So this has worsened the situation. The situation itself has been worsened by the lockdown effects, where quite a lot of people were unable to go and buy food or unable to go and farm whatever they had to farm. And as for health products, we also see here an excessive reliance on imported products when it comes to food. 80% of food products are imported out of Africa, 95% for health products. Civic and democratic space, I won't be long here because I'm sure that other will have much more to say than me, but we have seen excessive and unjustified restriction, both in civic and democratic space, that are a matter for concern. Now, this deterioration was already there pre-COVID, as you mentioned, Mr. President, but undoubtedly, the COVID situation has often definitely worsened it, and has very often served as pretext to worsen this situation. On top of that, as you know, most African countries didn't have the fiscal space that allowed them to put in place mitigation plans to, you know, help the economic and social impact of COVID. When you consider, for example, that most fiscal resources come from customs, the loss assessed from COVID is something more than 35% of the fiscal resources for 2020. And last but not least, a very complex and complexifying, if I may say so, debt burden, with China being now the largest single bilateral creditor. And when I'm saying China, it's multiple Chinese creditors, which makes the solving of it quite complicated. Now, all these rather stark assessment or facts must not lead to a gloomy conclusion. And in fact, on the contrary, there is a silver lining to this very heavy current crisis. But by laying bare the current vulnerabilities or deficiencies that were mentioned by President Kagame himself yesterday, of most African current economic and social models, basically with an excessive dependency on both external demand and external supply, this general crisis has been a wake-up call. So if just to replicate a very much used quote, never let a good crisis go to waste. And we all know that there is no deep change if it's not triggered by a very heavy crisis. People otherwise don't see the need or the interest to change anything in the way they are doing business. Let me just take the example of vaccines. All of a sudden, health has changed its status when it comes to public policies. From something that was up to now basically left to donors, to something that has become a matter of domestic security, and to the need to ensure what's now called health sovereignty. And this is a very important change. First, what happened was the wish and even the request. Madame, vous avez pris plus du double du temps déjà. Sorry. Vous avez pris plus du double du temps. On avait dit 7 minutes. Plus, vous avez pris plus de 16 minutes déjà. OK. Concluez pour qu'on avance. Merci. So the wish and the request to be able to buy the needed vaccine, and when it happened, it was impossible because of the hoarding from other countries, the need and the commitment
to build quickly a stronger vaccine manufacturing capacity, making a business case of it. There is a market for this vaccine manufacturing capacity, and it will create local employment. So to conclude here, two points that are linked back to all the discussions we've had over the last 2 days. The first one is the obvious interconnection of Africa's situation at global level, be it about health, economy of security. If Africa continues to remain until this vaccination level, it will become an incubator for other variants. Economy, if recovery doesn't pick up, there is no way the continent has the means for any green recovery. And last but not least, security and stability. You mentioned terrorism. And Madame le Premier ministre, you said yesterday 70% of the population under 35. But if the young people continue to see shrinking prospects, we are paving the way for more uncontrolled migration, more attractivity of terrorist and criminal networks, more social unrest, and more conflict. The second point is that in this completely changed landscape, there is a reinforced move towards new partnership, new geostrategic alliances and balances with Russia, China, India, Turkey, Gulf states coming in on the African continent to make the best of this new landscape. Thank you, and apologies for... Vous êtes la première à passer et je vous en excuse. Mais maintenant, je voudrais inviter les autres à s'autodiscipliner parce que je n'aime pas jouer aux gendarmes. Je suis avocat défenseur, je défends, mais je n'aime pas mettre en prison ni exercer une quelconque dictature sur qui que ce soit. La tolérance, c'est aussi ça. Parce que si je vous laisse parler, les derniers qui vont prendre la parole, ils vont être coincés. Parce que nous avons un autre programme ce soir et on a commencé déjà avec du retard. Il y a une manière de faire la synthèse. J'ai donné l'exemple. Je n'ai pas lu tout ce que j'ai préparé. J'ai pris quelques points, j'ai posé des questions. Alors, je voudrais vous prier, madame, de me relever les chiffres. Parce que je n'ai pas pu prendre tous les chiffres que vous avez donnés. J'aimerais bien intégrer ces chiffres dans mon rapport final. Merci. La parole maintenant, alors je vous invite, madame, fermez vos oreilles pour ne pas entendre ce que je veux dire aux autres. Je vous invite à ne pas prendre d'exemple sur madame de la Palme du tout, alors. Faites en sorte que dans les 7 minutes, vous tenez. La parole est à monsieur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et président de l'Institut panafricain de stratégie que nous l'avons aidé, nous aussi, à apporter sur les fonds baptismaux. Voilà. Monsieur Gadio a la parole. Merci, monsieur le président. Si vous permettez, vous me donnez 30 secondes hors 7 minutes parce que je voudrais faire une proposition. Je pense que c'est bien d'avoir un workshop sur l'Afrique. Mais il y a quand même un dialogue entre les continents et tout qui se passe sur la grande scène là-bas. Et ce serait bien que nous aussi, on puisse être impliqués, qu'on puisse en parler. Par exemple, le débat sur l'Australie, l'océan Pacifique et tout ça, l'Afrique a un point de vue. L'Afrique a un point de vue. Quand Obama avait pensé faire le pivot, ce qu'il a appelé le pivot, on a dit aux amis qui sont proches de lui dire que c'est une erreur stratégique très grave. Et qu'en allant dans cette partie du monde, il va rencontrer les Chinois et les autres qui vont vers l'Afrique. Il va les croiser là-bas. Donc, ce n'est pas bon qu'on continue de nous isoler. L'océan Atlantique est tout aussi stratégiquement important. Donc, on a un point de vue sur ces questions. Et c'est dommage que... je pense qu'il faudrait organiser le dialogue de l'Afrique avec les autres continents sur la grande scène là-bas. Et c'est une suggestion que nous devons faire à nos amis de World Policy Conference. Parlant de utilisant mon temps de parole... Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété, je pense que l'Afrique, son problème numéro 1, numéro 2 et numéro 3, c'est le leadership. Je pense que l'Afrique a une profonde crise de leadership et qui nous mène à la situation que nous vivons actuellement,
On refuse de changer le paradigme du développement de l'Afrique. Les résultats sont là. 60 ans après les indépendances, aucun pays africain émergent. Aucun. Alors que des pays qui étaient dans les mêmes conditions que nous, comme la Corée du Sud aujourd'hui, pèsent 25 pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 60 ans pour arriver là? Je pense qu'il y a des réflexions à mener. Ensuite, il me semble que des théories de développement qui ont été appliquées, comme disait l'autre, qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas et qui ne marcheront jamais, continuent d'être appliquées, avec une grande incohérence dans la démarche et beaucoup d'inconsistance. On commence un plan, 2-3 ans après, on change de plan. Plan de Lagos, plan de traité d'Abuja, vision de l'Union africaine, NEPAD, plan émergent, agenda 2063. Il y a vraiment une sorte de valse de plans et d'incohérence dans la démarche qui fait qu'il est temps que les Africains se réveillent et mettent les choses en ordre chez eux. Il me semble aussi que une des grandes questions que nous devons discuter, on en parle un peu partout, mais il faut en discuter, est-ce que l'Afrique a décidé de trahir sa jeunesse? Est-ce qu'il y a une trahison de la jeunesse africaine par le leadership africain? Près de 70% de la population, en général, on nomme un ministre de la jeunesse dans un gouvernement et tout le reste, c'est des générations qui n'ont pas tout à fait réussi leur pari, qui dirigent le continent. Il est temps de donner la place à la jeunesse africaine, mais surtout de comprendre le désarroi de cette jeunesse. Elle n'a pas de perspective. Et quand un continent trahit sa jeunesse, à mon avis, ce continent trahit son futur parce que apparemment il n'a pas de perspective d'avoir un grand futur. La résilience africaine a été saluée par tout le monde, je suis d'accord, mais je pense que la crise profonde du leadership se manifeste particulièrement sur la question de la sécurité. Il est absolument inacceptable ce qui se passe aujourd'hui dans le continent africain. Le terrorisme est la menace principale, numéro un du continent africain. Ces gens sont venus prendre leur part du continent africain. Le terrorisme est en train de métastaser partout dans le continent, de l'Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye. Ils sont descendus dans le Sahel, aujourd'hui ils sont dans les Grands Lacs, et ils ont passé les Grands Lacs, ils sont au Mozambique. Ils ont un plan d'ensemble très cohérent, ils nous attaquent de partout. Et où est la réponse africaine? On avait prévu un sommet sur le terrorisme, ça a été reporté à cause du Covid. Ce n'est pas une bonne excuse, parce que c'est une urgence. Des paysans, des femmes, des enfants se font massacrer un peu partout dans le Sahel. Nos États ne répondent pas à ces défis. L'épicentre du terrorisme mondial est en train de déménager en Afrique et de s'installer en Afrique. Et il se passe des choses tout à fait inacceptables. Quand il y a eu cette histoire d'Afghanistan, le monde entier en a parlé pendant des jours. Et qu'en est-il des vies africaines qu'on perd chaque jour? Comme disait l'autre, Black African Lives Matter Too. C'est important parce que quand on annonce que 40 paysans ont été tués, 60, etc., ça ne fait pas la une des grands médias et tout ça. C'est comme si c'était ordinaire ou presque acceptable. Ça ne l'est pas. Mais encore une fois, je ne blâme personne. Je pense que la question, c'est les dirigeants africains, notre leadership. Est-ce qu'ils ont compris la gravité de la menace? Est-ce qu'ils ont compris que ces gens vont partout? Aujourd'hui, ils cherchent une façade maritime. Ils sont intéressés par le Bénin ou le Sénégal. Ils sont en train de voir que... Et c'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des cadres, des gens bien formés qui ont quitté le Moyen-Orient, qui sont venus faire la jonction avec certains de leurs camarades chez nous. Et cette crise de la sécurité doit apporter une réponse. Mais cette crise, elle est amplifiée par la crise de la gouvernance. On a vécu des moments extraordinaires en Afrique avec des élections que tout le monde savait discutables. Et la CEDEAO vient dire certifier ces élections et dire que ça s'est bien passé, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Ensuite, un coup d'État militaire suit. Après, la CEDEAO vient condamner le coup d'État, geler les avoirs, etc. etc. Ça, l'opinion africaine ne suit pas. Elle dit que si vous manipulez les constitutions, vous devez être condamné par la communauté. Moi, je pense que la CEDEAO, comme l'Union africaine, ont atteint leur niveau d'incompétence. Elles ne peuvent pas aller plus loin. Elles ne sont même pas réformables. Je pense qu'il faut créer de nouvelles organisations avec de nouveaux objectifs. Je termine sur l'Union africaine. Sur la Libye, la France convoque un sommet sur la Libye au mois de novembre. Elle a invité l'Allemagne, l'Italie. Comment se fait-il que la Turquie demande à son Parlement une résolution pour aller faire la guerre en Libye? Mais ils viennent chez nous, en terre africaine. Pourquoi nous, on n'a pas de point de vue à donner? Et l'Union africaine ne se fait même pas inviter dans les rencontres où on règle les problèmes de la Libye, où on discute des questions de la Libye. Alors, l'Union africaine vit à Addis Abeba, et un chef d'État qu'on respecte beaucoup,
avec prix Nobel de la paix, décide de faire la guerre dans son pays, dans une région, et a des problèmes de menaces de guerre régionale un peu partout avec ses voisins. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Si ça continue, je pense que le courage des Africains, c'est de faire comme la BAD avait déménagé la Côte d'Ivoire provisoirement, le siège de l'Union africaine devrait quitter Addis Abeba. Parce que c'est inacceptable que l'endroit où nous construisons la paix, la sécurité et le futur de l'Afrique, que le chef de l'État de ce pays décide d'aller faire la guerre et demande aux gens de ne pas en parler et qu'il se fâche contre toute personne qui prend la parole sur ces questions-là. Donc au total, je me résume en disant qu'un des grands drames du continent, c'est la question du leadership. Il faut qu'on en discute. Nos dirigeants ne peuvent pas avoir 1 milliard 200 millions d'habitants, avoir 70% de jeunes, des forces vives, avoir un tiers des ressources naturelles du monde et continuer à faire de l'Afrique ce champ de désolation, ce champ de désespoir et ouvrir la porte et les fenêtres de l'Afrique au terrorisme mondial qui vient s'installer, convoiter nos terres, nos forêts, notre eau et penser qu'ils doivent pouvoir construire leur État islamique un peu partout en Afrique. Donc moi, c'était ça ma problématique, la question de la sécurité. On ne peut pas, comme disait Charente Diop, développer l'Afrique sans régler la question de la sécurité. La sécurité précède le développement, il disait. Il avait parfaitement raison et ça n'a pas changé. Merci. Merci, Monsieur Tidiane Gadio. Je voudrais que tout le monde prenne exemple sur lui. Je passe la parole à Madame Elisabeth Guigou, qui est présidente fondatrice d'Europartenaire, présidente de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures euro-méditerranéennes. Elle est également ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Madame Guigou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner un point de vue européen sur le futur, le présent et le futur des relations entre l'Afrique et l'Europe, qui, je crois, a besoin d'un profond renouveau, non seulement des principes, mais surtout des moyens et des instruments. Parce que je crois, comme vient de le dire Nathalie de la Palme, qu'il faut maintenant rentrer dans le concret. Je pense que nous avons déjà à Marrakech, la dernière fois, établi un diagnostic commun, c'est-à-dire que l'Afrique et l'Europe ont des défis à relever en commun parce que ce sont les mêmes. Vous venez, monsieur le ministre, de parler de la sécurité, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la pandémie, évidemment, rend encore plus aigu ce besoin de relever les défis en commun parce que notre proximité, à la fois géographique, culturelle, historique aussi, nous commande de le faire. Alors, je voudrais, moi, insister sur la question, après beaucoup d'autres, je me réfère à ce qu'a dit la Première ministre Aminata Touré hier, et puis également Madame Tuakli, il y a 2 ans, à Marrakech, la jeunesse. Bon. Nous savons tous qu'il va y avoir 2 fois plus de jeunes arrivant sur le marché du travail en Afrique qu'il n'y a de création d'emplois. C'est, à mes yeux, le problème majeur. Donc la question est de savoir, me semble-t-il, comment est-ce qu'il peut y avoir davantage de création d'emplois, à quelles conditions, et comment est-ce que l'Europe peut utilement aider l'Afrique en, évidemment, avec l'idée de partager, bien sûr, les bénéfices de ce développement en commun, et pas simplement de faire en sorte que l'Europe n'en retire que des bénéfices. Je crois, moi, beaucoup, que tout dépend de l'industrialisation de l'Afrique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit hier soir le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Hein. Bien sûr, il faut que l'aide internationale, l'aide publique, soit là pour les services publics, mais il est indispensable de promouvoir et d'attirer les investissements privés pour développer l'industrialisation. Et c'est là que je voudrais insister sur un outil nouveau qui me paraît peut-être de nature à favoriser ces investissements privés en Afrique pour développer l'emploi local et pour faire en sorte que le partage de la valeur ajoutée, la transformation des matières premières dont l'Afrique regorge,
puisse se faire au bénéfice des Africains et de la jeunesse africaine. Alors je voudrais attirer votre attention sur une réflexion qui concerne ce qu'on appelle les zones économiques spéciales et sécurisées. Il y en a, d'après la CNUSED, un peu plus de 200 en Afrique qui ont été créées principalement par la Chine sur le modèle de la zone économique spéciale de Shenzhen qui a connu un grand succès. Alors, il y a des zones qui ont réussi. Ce sont celles qui ont associé les Africains. Ce sont des zones dans lesquelles on concentre. D'abord, c'est strictement délimité. Il y a un régime fiscal et douanier particulier, un ensemble d'infrastructures qui facilitent la production et surtout une insertion dans l'environnement local et le fait, évidemment, qu'il y a par exemple des actions de formation et d'éducation pour la jeunesse, pour permettre aux jeunes Africains, et non pas pour simplement importer de la main-d'œuvre étrangère qui travaille là et puis qui réexporte ensuite des produits transformés à partir de, des matières premières africaines. Donc, il y a, je ferai référence à une très intéressante étude qui vient d'être publiée, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un webinaire et qui a été présidée, dont ce webinaire, par le Moulay Hafid El Alami, qui est ministre marocain de l'industrie, qui a eu le soutien de l'entreprise Meridiam, qui intervient beaucoup en Afrique. Je vous signale cette étude, regardez-la, parce que c'est une étude extrêmement fine des zones industrielles spéciales partout sur le continent africain, de celles qui ont réussi, c'est-à-dire celles justement qui font appel à la main-d'œuvre, qui favorisent des transformations structurelles, qui bénéficient aux Africains, et puis celles qui ont échoué, c'est-à-dire celles qui se contentent de produire sur place et puis de réexporter sans que les populations locales en voient jamais le bénéfice. Donc, je crois, moi, là, que nous avons un instrument, il y en a d'autres, certainement, mais que dans les discussions actuelles, les négociations actuelles qui sont en cours entre les Européens et les Africains pour renouveler les instruments de la coopération, parce qu'il faut sortir des grandes idées générales, et de ces grands messes là dans lesquelles on se redit des choses, c'est utile bien sûr parce que c'est des contacts, mais il faut arriver à avoir des propositions opérationnelles et pratiques, et c'est là que je rejoins l'approche que vient de dire Nathalie. Concentrons-nous sur des sujets très concrets et particuliers. Nathalie nous a parlé très utilement de la santé tout à l'heure, des problèmes que là, moi je vous dis, l'emploi de jeunes et l'industrialisation avec cet instrument-là, peut-être d'autres aussi. Je vais arrêter là parce que si cette étude vous intéresse, vous pourrez la trouver sur le site de l'Institut de prospective méditerranéenne dont nous vous avions parlé la dernière fois à Marrakech. Voilà, Monsieur le Président, je crois que j'ai fait 6 minutes. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Elisabeth Guigou. Les choses rentrent dans l'ordre, on dirait. Alors, je passe la parole à Madame Aminata Touré, qui a été ministre de la Justice, première ministre, chef de gouvernement du Sénégal, présidente d'institutions constitutionnelles et femme battante politique du Sénégal. Je lui donne la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Nous avons eu aussi à entreprendre des choses communes pour le continent. Je parlais du procès de feu, le président Abré. Et vous aviez eu une contribution importante pour faire avancer le droit pénal international. Je voudrais, pour ma part, dire que je suis une optimiste, une afro-optimiste. Je ne le dis pas juste parce que je suis sentimentaliste, mais parce qu'également, j'ai pu constater de ma jeunesse à nos jours des avancées importantes pour le continent. Lequel continent, d'ailleurs, compte 54 pays. Ne l'oublions pas. On parle de l'Afrique comme si nous parlions la même langue, dansions sous la même musique, avions les mêmes rites mortuaires, absolument pas. L'Afrique est diversifiée
à une culture diverse, à une trajectoire également diverse. Un pays comme le Sénégal, par exemple, n'a jamais connu de coup d'État. Mais quand on présente l'Afrique, c'est comme si c'était une zone de turbulence généralisée. Bien qu'il y ait des défis que nous partageons, ça c'est clair, parmi lesquels le défi du développement, pour lesquels d'ailleurs certains ont des niveaux plus élevés que d'autres, le Botswana, le Cap-Vert et tant d'autres. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le pays qui a l'économie la plus puissante, c'est le Nigeria. Et le Nigeria est devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ça, on oublie de le dire. Lorsqu'on tenait notre conférence au Maroc, j'informais que l'économie nigériane, c'est 5 fois l'économie marocaine. Alors, si le Maroc veut entrer dans la CEDEAO, qu'il y pense bien, parce que les accords de réciprocité feront que beaucoup de Nigériens viendront s'installer au Maroc. Ça ne semblait pas connu. C'est dire aussi que l'Afrique souffre d'une grande méconnaissance 50 ans après, 60 ans après ses indépendances, et ce n'est pas normal. Ça, c'est notre propre responsabilité. Nous avons la pire politique de relations publiques. Nous ne faisons pas connaître nos succès et nous entretenons cet afro-pessimisme qui présenterait l'Afrique sous ses traits les plus noirs, sans pour autant cacher sous le tapis, évidemment, tous les défis. Et ces défis-là, évidemment, je l'ai dit là hier en plénière, lorsque, dès le début de la pandémie, on estimait que, il faut s'attendre à des millions de morts, même si, madame, je peux vous appeler Nathalie, évidemment, nous n'avons pas des systèmes de statistiques sophistiquées, mais quand on enterre nos morts, on le fait suffisamment, avec suffisamment de bruit pour que ça se constate. Donc il n'y a pas eu d'hécatombe telle qu'on s'y attendait, et ce n'est pas le fruit du hasard. Malgré les systèmes de santé qui ont encore de gros défis, les États africains ont pris nous avons fermé la frontière avec la France avant que la France ne le fasse. Nous avons pris des mesures urgentes bien avant beaucoup de pays, en apprenant de notre expérience de la lutte contre les pandémies. Et ça, ce n'est pas suffisamment mis en œuvre dans les perspectives et les analyses qui concernent l'Afrique. Sur 50 ans, nous avons gagné en espérance de vie. N'oublions pas que c'est un continent quand même sur lequel s'est passée la traite négrière, la colonisation. Donc évidemment, comme disait l'autre, l'accumulation du capital, c'est un processus continu. Quand vous commencez plus tard, évidemment, vous avez un processus de rattrapage à faire. Et le cas du Rwanda nous montre que c'est possible, comme d'autres cas, peut-être moins célèbres, mais les progrès existent. Alors, je pense qu'en termes de perspective, ça, il faut que nos partenaires, puisque nous sommes dans un forum où on échange, et j'aurais aimé voir beaucoup plus de personnes s'intéresser à presque le quart de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique attire pour ses ressources, point, et pour le reste, on brode, on met autour, mais c'est essentiellement cela. Et ce point de vue de nos partenaires doit changer. Mais nous n'attendons pas qu'ils les changent, c'est nous qui devons le faire changer. Je l'ai dit, l'Afrique commerce seulement à 12% entre nous. C'est 60% ailleurs, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous devons avoir une industrie pharmaceutique pour servir nos populations. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Nous sommes 54 pays, je ne sais plus combien d'universités, et parmi lesquelles des universités importantes et brillantes. Nous exportons des intellectuels, scientifiques, etc. Donc ça, c'est le travail interne, housework, que nous devons mieux faire. Ce continent, au-delà de ses ressources importantes, il est jeune. Et ça, je le vois aussi comme un grand atout par rapport à des endroits vieillissants. Évidemment, il y a beaucoup de formations à faire. Madame Guy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le type de formation à délivrer est important, pas celui, importé depuis très, très, très longtemps, mais une formation qui répondrait à des besoins urgents, plus de formation scientifique, plus de scolarisation des filles, soit dit en passant d'ailleurs. Certains pays, il y a plus de filles inscrites à l'école primaire que de garçons. C'est le cas du Sénégal. Nous avons présenté depuis 2 ans d'affilée, c'est des révolutions qui se font sans qu'on le constate, sans qu'on en parle. Dans un pays où 95% ou 16% de la population est musulmane, voilà qu'à l'examen de l'entrée en 6e, vous avez plus de filles que de garçons.
Ça en dit beaucoup sur le pays, sur son niveau de tolérance, sur sa perception de la religion et sa volonté d'investir, venant par le bas, dans l'avenir et la contribution des femmes. Mais ça, on ne le dit pas. Moi-même, je présidais la sortie de l'école de médecine. Je présidais la séance. Eh bien, il y avait plus de filles qui sortaient de la faculté cette année que de garçons. Ça, on ne le montre pas, sans compter l'Assemblée nationale, où il y a quand même 48% de femmes. Comparé à la France, c'est beaucoup plus, comparé aux États-Unis. Donc ça, c'est des révolutions qui se passent et qui sont positives et qu'il faut exposer comme étant des forces africaines. Parce qu'il faut quand même avoir une analyse toujours balancée, voir le verre comme il est, avec des avantages, avec des contraintes. Autrement, ce qu'on fait, c'est juste... disons, d'alimenter cet afro-pessimisme et de le transmettre à des générations de jeunes. Maintenant, tous les problèmes qui sont posés, à mon avis, sont réels. Mais c'est un continent qui crée de la richesse, qui devrait mieux le distribuer, qui devrait lutter contre les inégalités de manière très agressive, qui devrait associer ces femmes qui constituent plus de la moitié, qui généralement d'ailleurs sont plus innovatrices, sont plus engagées et contribuent même plus que les hommes au produit intérieur brut. En tout cas, pour ce qui concerne l'agriculture, la FAO montre que 70% de la production domestique, pas celle qui est commercialisée, mais qui fait vivre les familles, est produite par les femmes. Donc voilà également des éléments forts qu'il faut mettre sur la place. Évidemment, et tout ça se résume pour beaucoup de pays, par exemple comme le Sénégal, par des taux de 7% de croissance. Nous faisons plus de croissance que les pays asiatiques. Donc cette perspective doit être partagée avec nos partenaires actuels et nos nouveaux partenaires. Ça également, c'est une... On l'a dit tout à l'heure, les gens devront choisir entre la Chine, les États-Unis et la France. Quand je regardais le panel sur l'Europe, ce qui est revenu d'ailleurs le plus dans cette enceinte, c'est le mot « intérêt ». Chacun veille sur ses intérêts. Donc, je suis sûr que nos partenaires comprennent et doivent mieux comprendre que l'Afrique va de plus en plus veiller sur ses intérêts stratégiques en ouvrant des perspectives avec ses amis traditionnels, ses amis nouveaux et surtout en nous serrant les coudes au niveau de l'Union africaine et en commerçant entre nous. Et il y a des dynamiques intéressantes qui se font. Parmi les défis, c'est évidemment comment renforcer nos institutions. Rappelons-nous que le Sénégal, par exemple, il a 61 ans. C'est court dans la vie d'un peuple. Mais notre vie et notre culture et notre histoire ne commencent pas là. Je ne parle pas du fait que l'Afrique ait été berceau de l'humanité, je n'irai pas aussi loin, mais nous avons connu des civilisations brillantes au Sénégal, parmi lesquelles d'ailleurs des femmes ont dirigé, y compris des armées, etc. Donc il y a tout cet historique qu'il faut davantage documenter et créer un narratif mobilisateur pour notre jeunesse. Ce n'est pas seulement des emplois, ils n'en ont pas, ils traversent l'océan, ils vont mourir, etc. Mais il faut également développer ce narratif-là qui est important, à mon avis, pour les peuples. Je suis tout à fait d'accord avec la question de l'industrialisation, elle est importante. Et c'est une des leçons de la COVID. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre tout seul pendant pratiquement 8 mois. Quand vous étiez malade, président de la République ou femme de ménage, c'était l'hôpital. Hein. Il n'y avait pas de choix. Et on a fait confiance à notre personnel médical, on s'est fait confiance entre nous, on a les masques, on les a développés nous-mêmes. Les Européens se battaient avec les Chinois sur les tarmacs pour avoir des masques. Donc nous, on les a fabriqués et ça a marché. Et ce qu'on a découvert, comme je disais, c'est une nouvelle confiance en nous-mêmes et c'est possible. Si on l'a fait pendant 8 mois, on peut le faire pendant 8 siècles. Et voilà, à mon avis, cette nouvelle culture qu'il faut inculquer à nos dirigeants d'abord, mais à nos jeunes, à nos femmes, à nos communautés. Et ça, je pense qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le background culturel pour le faire. C'est des civilisations qui sont anciennes, qui développent aussi des valeurs concurrentielles, parmi lesquelles on dit, X% de la population vit avec moins d'$1. Par mois. Quand j'étais aux Nations Unies, je leur disais, mais revoyez votre système de calcul. D'abord, il n'a pas de sens pour moi. Si 90% de la production réelle n'est pas dans la comptabilité publique, ce
ce sont le secteur informel, vous ne pouvez pas définir un seuil de pauvreté ou pas. Et la pauvreté telle que vous la définissez, elle n'est pas forcément vécue chez nous comme telle. Vous pouvez ne jamais avoir travaillé pendant toute votre vie, avoir des femmes, une femme et parfois même deux, des enfants qui iront à l'école et qui seront à l'université sans que vous ayez jamais travaillé. Parce qu'il y a un système de solidarité qui est important et qui constitue pour moi également, disons, un patrimoine qu'il faut exploiter. Oui, je suis en train de déborder, là, il faut que je donne l'exemple. La dernière question, c'est la sécurité. Et je suis tout à fait d'accord avec le docteur Gadiot sur cette alerte. Mais cette sécurité, c'est l'Afrique, mais c'est tout le monde. Si vous voulez avoir des priorités parmi lesquelles soigner votre population, c'est une question de vie ou de mort, les envoyer à l'école, bah, c'est votre futur immédiat et lointain, lutter contre les changements climatiques, bah, et également avoir des armées, avouez que c'est des choix difficiles à faire. Donc il faut également, dans cet esprit-là, disons, de construction d'une perspective continentale, que l'Afrique pense à avoir son armée, peut-être pas permanente, mais mobilisable rapidement sur des zones de conflit, d'intervention, d'interposition. Je pense que ça doit être le prochain objectif, avec évidemment le partenariat de nos amis, les anciens, les nouveaux, enfin nos amis d'une manière générale, sans jalousie. Autrement, si nous échouons, parce que ça également, il faut le dire, il faut éviter ce que j'appelle la wagnerisation de l'Afrique. Parce que, je peux vous dire, quand la question de la sécurité se pose, tout le monde est prêt à vendre jusqu'à son dernier foulard et voilà, pour rétablir la paix, parce que sans paix, vous ne vous développez pas. Donc, c'est un débat que nous devons avoir, sinon les pays vont se retrouver dans des situations désespérées. Et beaucoup ont regardé ce qui s'est passé également en Syrie, où finalement, bon, les gens se sont dit, écoutez, il y en a qui sont peut-être plus efficaces que d'autres dans la lutte contre le terrorisme. Et est-ce que c'est ça la perspective ? Je ne pense pas. Mais c'est des questions qu'il nous faut aborder ensemble, de manière très sereine et très responsable, pour qu'on puisse trouver des solutions, parce que personne ne veut qu'il y ait des millions d'Africains qui doivent être chez eux et contribuer à leur développement et s'épanouir, plutôt que de les voir taper aux portes de l'Europe. Donc c'est pour cela que nous avons quelque part aussi un destin commun. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été longue. C'était intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup tapé. Je donne la parole à Madame Juliette Touakli, qui est présidente directrice générale du groupe médical Child Accra, présidente du conseil d'administration de United Way Worldwide. Vous avez la parole, Madame Touakli. Sorry, I was thanking Monsieur Dessou and Madame Aminata for her taking us into the more cultural and legacy aspects of the continent that tend to get overlooked so easily when one is... We cannot hear you. We cannot hear you. Thank you. We cannot hear you. I thought it was on. Let me move it a little closer. Can you hear me now? Yeah, I beg your pardon, Mesdames and Messieurs. I'm going to come back to the COVID issue from a slightly different direction, I think, than some of you might expect. I did say this morning during our presentation how at the onset of COVID, it struck me how in Africa we seem to have terrific strategy, but in enormous lack of capacity, and in the West, there seemed to be quite the opposite. And it did make one stop and think about other differences, similarities that were existing in how the pandemic was evolving. And it was very clear, as Madame de La Palme had expressed, that at the outset, there was certainly a very different pattern developing of the pandemic between Africa, Europe, and the US. And even now, even though it
we have more of the variant, the Delta variant, as well as the other variants in South Africa. The morbidity levels are low. The mortality levels are even lower. So it is still presenting in a somewhat different manner. And as a public health physician, as well as a physician, I really began to wonder what was going on here. We had several roundtables and conferences where people talked about the youth of the continent, the fact that we live outdoors, the fact that everybody's bitten by malaria and has had at least one dose of chloroquine, et cetera, et cetera, et cetera. And of course, that in some parts, especially those areas where you had high levels of smokers, they seem to suffer more. And even that was argued that they actually seem to do better if they were smokers with COVID. So I let that one go. And that interest was also born by the fact that because of the work that I do in West Africa, I have realized we have a quiet pandemic creeping up in our youth. And that quiet pandemic is a heart-related one of high blood pressure. Almost by chance, we discovered that our youth between the ages of 20 and 35 were having extremely high levels of blood pressure, unbeknownst to them because they don't have routine health checks, and serum cholesterol, a deadly combination. Having studied nutrition as my public health major and having a lot of relationships with nutritionists, I was fortunate to happen upon an encyclopedia of local foods and their nutritional attributes. And as I began to look at how people were coping with COVID infection in Ghana, especially, I began to realize people were eating certain foods more. People were engaging in some older, you might say, antique practices that they used to participate in when villages, when people lived in villages, and one used to do them as groups, but now we're doing them within households. I began to look at how consistent there were certain foods, certain vegetables particularly, popping up as being part of the diets that people were consuming. And of even greater interest was when my family, who stayed in the US, I left the US, I decided to sit COVID out in Ghana. But some family members who decided to stay on in the US started sending me photographs of some of these plants of local materials, local plants, being sold for horrendous amounts in the US because clearly some people had discovered their nutritional strengths and possible impacts in the whole COVID. I'm not a quack. I'm not one that believes in using all sorts of whatever that's the latest person. But these are plants that I grew up on a farm, by the way. And I do remember on the farm, whenever there were certain illnesses, there were certain plants that were used. And I think this is also the thing that grabbed my attention. I realized that these were still the same plants that I grew up seeing being used for various illnesses. And in Ghana, certainly, many families were using them routinely. Routinely, they were eating their normal meals, but adding these particular additives. And I had a very exciting, albeit brief, conversation this morning with one of my co-panelists about the importance of nutrition in COVID and keeping COVID at bay, using the theory of macrobiomes, which I've also been very interested in for many years. And I jokingly said to him, the more things change, the more they stay the same, the old saying. Because it seemed to me that we were going back, even in the Western world, looking at diet and the protective role of diet, to some very basic home truths about what one eats or what one should eat to create the right intestinal microbes within one's body to protect oneself and to facilitate and enhance one's immune system against various illnesses, various parasitoses. And so it just seemed that we were engaging in a rather circular conversation. So coming back to the high blood pressure issue, when one looks at why this is becoming a silent epidemic, it's because most of these youths are engaged in office jobs.
office jobs that not only are sedentary, but have them eating from canteens rather than eating at home, number one, eating Western foods rather than local foods, with the occasional local food thrown in to customize it, if you will, and a total ignorance, if you will, of the potential health doom awaiting them. To me, this is a silent epidemic that we really need to work at locally. And because I chair the world's largest private NGO, I have been an enormous advocate for food gardens around the continent of Africa that we support. But as Madame Touré expressed, gardening, or not, she didn't use the term gardening, but micro farms, you know, backyard farms where people have grown their foods, is something we've all grown up with. Every child, every African child grows up doing some degree of local food production. But teaching, especially women and youth, how to grow in their private little garden lots healthy foods that they then consume, avoiding pesticidal use, trying to use as much as possible organic fertilization techniques, using the natural sun, solar energy that we have on the continent, water sometimes in supply, sometimes not, but that's one of the few challenges that need to be addressed. We have found has not only been an income generator for women, market women, particularly in South Africa, but their children have grown up a lot healthier for it. Madame de Palme talked about death registries existing in only 4 of Africa's 55 countries. Also, the same goes for birth registries. We really have no idea how many people are born, let alone how many are dying. It should be seen in context. But generally speaking, we do have the traditional way of announcing death and often describing what happened to the person at the time of death, if you will, from which one can elucidate sometimes what the cause of death was. So deaths don't go entirely unnoticed, and certainly in a country like Ghana where death is celebrated, they rarely, rarely, rarely go unnoticed, even if it's a modest celebration. So I feel that when we're looking at developing our strategic workforce as a result of COVID, we need to be looking not just at MDs, we need to be looking at cadres of nutritionists, I think, to start really looking at what we can salvage from our traditional food products that relate to health. I really do. I think this is an area that should be researched and data should be produced, and we need to be looking at this. This is not something the West is going to provide for us. This is something we have to do for ourselves. And so I've always felt, I think, in the past, at least for the past 6 months, that COVID gives us a chance to reset some of our bad habits that we've adopted or adapted from other countries, but that is not meant for us. I believe youth do remain our strength, and I think we need to continue to work with them. They are our strength as well as potentially our problem. And I think their health, i.e. their nutrition, must be supported and protected. And I think labor and health policies need to create recreational spaces in those large office buildings that are going up, so that there can be an emphasis on physical exercise for these poor fellows and poor women who are trapped in these buildings. So as I said, this is going to be a slightly different take on COVID-19, because that's who and what I am. But I would like to say, as my last word, the issue of security is a major problem, because you can't garden your back. You can't grow gardens in your backyard when you've got people marauding through and stealing them in the name of terrorism. But then even at the UN, we don't have anyone permanently on the Security Council after all these years of our independence. And yet, what do we talk about at the UN if not Africa's problem with security?
And we have enough countries, as Madame Touré had indicated. We have Nigeria. Yes, I'm Nigerian, but that's not the reason I say that. But we could do it. South Africa is there. Egypt is there. There are people who can fill that position, and we need to think seriously about this. Thank you. Merci, Madame Touré. Alors, je vais passer la parole au dernier intervenant. C'est M. Lionel Zissou, qui fut Premier ministre de mon pays, au Bénin, et qui est co-président de SAFBRIDGE et président du think tank Terra Nova. C'est plein d'espérance, Terre Nouvelle. M. Zissou, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Vous faites honneur à notre pays, le Bénin, donc merci de modérer cette séance, vous qui êtes notre plus grand juriste. Alors, je voudrais dire, je comprends très bien l'émotion et la richesse d'informations avec lesquelles Nathalie a ouvert la session, parce que c'est dans la vocation d'une fondation qui suit tous les paramètres de gouvernance et les mesures, et de nous rappeler que nous avons désormais une doctrine de souveraineté de la santé, alors qu'on était paradoxalement privé de cela. Je crois que c'était très important de le dire. Je crois aussi que c'est important, et je respecte la colère et les frustrations sur le leadership et la sécurité de notre ami, le ministre d'État, Gadio. Je comprends également l'intérêt à la fois amical, compassionnel de l'Europe pour nous aider. Mais je suis résolument dans la position de ma collègue qui fut Premier ministre. Alors c'est peut-être un biais de Premier ministre, c'est-à-dire il faut restaurer un peu d'optimisme et un peu de mesure de ce qui a évolué, et même s'est accéléré sur le plan positif en matière de Covid. Vous avez dit tout ce qu'il fallait dire sur les dégâts du Covid. Alors je ne reviendrai pas dessus, je ne suis pas dans le négationnisme du fait que cette pandémie est une catastrophe humanitaire dans certains pays d'Afrique, et paradoxalement, d'un point de vue sanitaire, moins grave que dans les autres continents, mais souvent, socialement, plus grave. Donc ça, je ne suis pas dans le négationnisme. Mais regardons quand même, puisqu'on est dans une conférence de gouvernance, s'il y a des progrès de gouvernance. Et quels sont les sujets de gouvernance ouverts sur lesquels il peut être intéressant de réfléchir, éventuellement d'avoir des propositions, et sur lesquels il va falloir se battre. Parce que il est nécessaire de se lamenter, mais il est plus important de savoir où se passe aujourd'hui le débat, le combat, si on veut que la gouvernance continue à progresser. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu un progrès de gouvernance majeur depuis le Covid, qui était esquissé. Et d'ailleurs, on a eu un des acteurs à dîner très important, le président Paul Kagame. Il y a eu un progrès considérable du fonctionnement de l'Union africaine. Le président Kagame, à certains égards le président Alpha Condé, avait au fond déjà fait faire des progrès. Le président Alpha Condé, en donnant une voix à l'Afrique à la COP21, dans l'accord de Paris, alors que l'Afrique avait été assez silencieuse sur les problèmes de climat. Le président Paul Kagame, en instituant, pour commencer de répondre aux problèmes de sécurité, un fonds sur la paix et la sécurité pour qu'il puisse commencer d'y avoir en Afrique une prise en charge par des forces africaines avec un financement africain au sein de l'Union africaine, au fond être capable de prendre en charge une partie de nos problèmes de sécurité. L'opération mozambicaine qu'il a présentée hier soir est un des éléments de cette réappropriation de la sécurité entre soi, entre nous-mêmes. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé un certain vendredi
d'avril 2020, il s'est passé que le président Cyril Ramaphosa, qui a fait fonctionner l'Union africaine en mode virtuel efficace, avec ses 7 vice-présidents, précédé tous les mercredis d'une réunion de 15 des ministres des Finances de notre continent. Et nos amis sénégalais le savent, puisque le président Macky Sall était parti de toutes ces réunions du vendredi, il se trouve qu'il y a eu toute une série de décisions de gérer les problèmes collectivement, au lieu de regarder les problèmes de la dette. Encore une fois, il faut se lamenter du fait que nous avons dû nous endetter pendant le Covid. Bon, beaucoup moins que l'Europe, infiniment moins que l'Amérique du Nord. Enfin, nous avons dû nous endetter comme tout le monde pour faire face aux dépenses d'urgence et aux effets de confinement. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce que ce n'est pas du point de vue de la gouvernance que désormais on négocie sur les sujets de dette à 55 pays membres de l'UA, avec 4 envoyés spéciaux qui sont des grands professionnels, avec une très grande expérience publique, une très grande expérience privée. Et il y a eu un vendredi où un invité représentait l'Union européenne, c'était le président Macron, et où est apparue l'idée, nous allons revitaliser ce qu'on avait fait en 2009, c'est-à-dire une distribution, une allocation de droits de tirage spéciaux. Et l'idée est née, mais pour ça, il fallait parler à 55. Il ne fallait pas parler 55 fois en disant des choses différentes. Et l'Union européenne pourrait, au G20, de la semaine suivante, avec l'aide de la présidence saoudienne, ajouter à l'allocation automatique des pays africains une allocation discrétionnaire des pays qui viendraient. Et le lendemain, le président Macron a convaincu Mme Merkel et tous les pays européens, les 4 autres pays européens, membres du G20. Mais ceci n'a jamais existé. Il y a eu une gouvernance collective. Il y a eu, on parlait du nombre de pays qui avaient des ventilateurs. Il y a eu la mise en place, très rapide, en mai, d'une plateforme électronique avec un financement automatique de l'Afrexim Bank, qui est une institution multilatérale panafricaine, pour assurer les approvisionnements en ventilateurs, en protection, en masques, etc. Ça a fonctionné. Ce qui a dysfonctionné ensuite, quand on a nommé des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les vaccins, et où il y a eu une négociation, là encore, collective et efficace sur le programme COVAX, ce qui a tout à fait dysfonctionné, et qui est quand même un sujet de gouvernance pour demain, c'est que le nationalisme vaccinal a fait que tous les accords qui ont été proprement négociés, proprement financés, n'ont pas été exécutés parce que tous les pays, les uns après les autres, jusqu'à ce que l'Inde s'y mette du fait de ses besoins, ont refusé de livrer et d'accepter et d'exécuter les contrats. Donc, il y a eu des progrès de gouvernance, il y a eu, on les mesure un certain nombre de choses, il n'y aurait pas eu 33 milliards il y a 15 jours, 3 semaines, dans les banques centrales, c'est quand même 1,5% du PIB. Et la perspective d'avoir peut-être 3 fois cela, enfin 2 fois plus, au moins dans les caisses des banques centrales africaines, pour atteindre plutôt 3,5 à 4% du PIB, c'est-à-dire plus que la récession. Donc on est devant de vrais enjeux, on est devant un vrai sujet, on est devant une vraie proposition fabriquée par l'Union africaine. On va voir comment cette dernière phase s'exécute. Elle est majeure, elle est sans précédent. Les conversations, y compris avec le secteur privé, conduites par Tidiane Thiam et Donald Kaberuka, avec une ouverture qui est encore à prouver, mais je parle devant les financiers qui sont dans cette salle, une certaine ouverture pour le rachat de dettes les plus compromises, c'est-à-dire très très peu de dettes africaines. Il y a très peu de dettes africaines qui sont très compromises, mais certaines peuvent être rachetées pour moins cher. Il faut des mécanismes qui sont en négociation. Ils ne peuvent pas être en négociation si un pays comme le mien, qui représente 0,1% du PIB du Bénin, ou même de l'Afrique, ou même un pays comme le Sénégal, qui en représente 0,5%, se met à négocier tout seul. C'est un progrès considérable de la conscience africaine, de l'efficacité africaine, avec des preuves. Et quand ça ne marche pas,
type COVAX, ça ne marche pas assez vite. Franchement, la question n'est pas de savoir si c'est l'Afrique qui gouverne mal. La question est de savoir s'il est légitime d'exercer des pouvoirs asymétriques de domination sur des marchés de vaccins pour exécuter un bien commun, un bien public mondial. C'est une réflexion qui renverra à la session de est-ce que l'Europe, est-ce que l'Amérique du Nord ont été à la hauteur en matière de justice et d'équité en matière vaccinale. Ça ne nous regarde plus. L'Afrique a fait tous les progrès qu'il fallait faire. Prendre un deuxième exemple. Nous faisons des progrès qui se mesurent à la baisse des taux, donc à la perception d'un moindre risque quand l'Afrique s'endette sur les marchés. Pendant la pandémie, les taux auxquels les pays africains se sont endettés n'ont pas cessé de baisser. Même un pays comme le mien, qui est arrivé sur les marchés internationaux avec un rating tardivement, 2018, entre ses premiers placements privés et ses dernières émissions, a connu des baisses significatives de taux et des allongements considérables de maturité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à un pays comme le Bénin, on est prêt, la Côte d'Ivoire, etc., on est prêt à faire du crédit à 30 ans. À 30 ans. Il y a 3 ans, nous n'avions pas de rating, nous ne participions pas des progrès de la gouvernance financière mondiale. Quand je suis arrivé comme Premier ministre, ma première surprise, le lendemain, ma première conversation avec le responsable national de la Banque centrale, il me dit, écoutez, c'est peut-être pas très raisonnable de n'émettre de la dette que sur le marché national, sur le marché de la BRVM à Abidjan, avec une maturité d'un an. Il dit, non mais attendez, c'est pas possible, le Bénin n'a pas son passif exigible de dette souveraine tous les ans. Si. Quand je suis sorti, on avait fait la première émission à 5 ans. Mes successeurs, que je les aime ou que je les aime pas, en l'occurrence, je les respecte dans leur qualité de gestion. Ils émettent à 30 ans. Et à 100 points de base de moins aujourd'hui qu'avant Covid. Moi, je veux bien que l'Afrique ne fasse aucun progrès en matière de gouvernance. Je veux bien que tout ça soit désespéré. Je veux bien que la dette publique soit une tragédie. Un, elle est gérée. Deux, elle est gérée collectivement. Trois, elle est gérée de façon professionnelle. Quatre, il y a des ratings. Cinq, il n'y a aucun doute sur l'allongement des maturités et la baisse des taux. Or, on en a besoin pour assurer les financements. Donc, faisons attention quand on s'attache, quand on s'arrête sur image, sur une Afrique d'il y a 10-20 ans. C'est pas du tout géré comme ça. La crise du leadership, je dis ça juste pour Monsieur le Président, pour animer le débat qui va suivre. Mon cher ministre d'État, la crise du leadership, moi je considère que nos jeunes dirigeants sont bien meilleurs que nous. Alors moi, je suis votre aîné, donc bien meilleur que moi. Je suis, par chance, votre aîné, l'aîné d'Aminata. Mais les jeunes sont franchement bien meilleurs, totalement décomplexés, complètement mondialisés. Nous avons un leadership de dirigeants, notamment dans les matières économiques et techniques, qui fait honneur à l'Afrique. Regardez toute une série de régulations. Dans le domaine des télécommunications, je parlais, et je l'ai déjà cité dans l'autre session, avec le directeur général d'un opérateur de télécom européen qui me disait désormais en accès à tous les nouveaux usages portés par le numérique, portés par les télécoms, l'Afrique est en train de prendre en usage 15 ans d'avance. Pourquoi ? Parce que les réglementations sont allées très très vite. Aujourd'hui, vous pouvez faire en Afrique des choses qu'on aurait mis 30 ans à réglementer et déréglementer et libéraliser dans d'autres pays. Regardez la décentralisation de l'énergie. D'abord, quel est le seul pays au monde qui a dépassé 50% de mix de renouvelables dans son mix en avance sur le plan qu'il avait prévu ? C'est un pays que vous connaissez tous très bien. Il est africain. Il s'appelle le Maroc. Et nous allons très très vite.
Or, nous avions, comme tout le monde, hérité de nos pays colonisateurs des monopolisations où on ne pouvait ni produire de l'électricité en dehors de, de l'opérateur historique, ni la distribuer, ni la vendre, ni faire des propositions publiques-privées, rien de tout ça. Tout ça a évolué à une vitesse de gouvernance, donc, qui permet aujourd'hui d'entrevoir que le continent, en solaire, en biomasse, en hydrolien et en éolien, et en géothermie, si vous prenez l'Afrique de l'Est, se métamorphose. Je ne vais pas reparler indéfiniment des paiements, mais l'Afrique de l'Est est en train de devenir une cashless society. Et l'Afrique de l'Ouest va à toute vitesse. Mais pour que les fintechs se répandent dans notre continent, il faut bien que des gens gouvernent ces pays. Il faut bien que nos banques centrales taxées d'immaturité et d'immobilisme aient autorisé ces transformations. Demandez aux gens d'Orange, qui sont non négligeables sur le continent, sans être leader, mais non négligeables, où réussit Orange Monnaie ? Où réussit Orange Bank ? Mais ce n'est pas en France. C'est d'un bout à l'autre du réseau, en commençant par le Sénégal, la Sonatel, c'est un bout à l'autre de l'Afrique. C'est là que fonctionne le système Orange Bank. C'est pas en France, où c'est un échec. Donc, faire très attention, nous avons, pour que ces progrès soient possibles, c'est bien de dire, c'est un continent de start-up, c'est un continent où les femmes sont plus entrepreneuses que partout au monde. Tout ça est vrai, mais ça veut dire aussi qu'en termes de gouvernance, on le rend possible. On le rend possible. Donc, faire très attention, très attention à ne pas nous parler d'une Afrique d'il y a 10 ans. Moi, je vous conseille de regarder l'Afrique des 10 derniers mois et l'accélération. Oui, nous n'avons pas la protection sociale qui nous convient. Néanmoins, quand on a distribué des secours, regardez le Rwanda, regardez le Togo, regardez le Maroc, là où on a distribué des secours. Regardez même le Sénégal avec les initiatives sur l'entrepreneuriat rapide, etc. C'est beaucoup en utilisant les moyens numériques, la monnaie numérique. Bon, au fond, on a changé complètement les vecteurs et à travers la microfinance, on commence à atteindre, en matière de subventions, alors dans certains pays, il y a eu le luxe d'avoir le financement du chômage partiel. Mais ça concerne surtout le Maroc, l'Afrique du Sud, peu de pays les plus avancés. Mais dans nos pays où on n'avait pas ce luxe, on a néanmoins acheminé les secours de façon digitale, de façon efficace. Donc oui, on peut dire, c'est triste de penser qu'on perd une année de scolaire quand on est en confinement parce qu'on n'a pas effectivement les moyens de faire du téléenseignement alors que beaucoup de zones du monde ont trouvé ce moyen. C'est vrai. Et dans nos écoles, une chose qui est compliquée, c'est... Monsieur le Président, je vous obéis dans une minute. Oui, mais on n'a pas l'électricité dans nos écoles. Dans nos groupes d'écoles primaires au Bénin, on en a 9 000. Il y en a quand même 7 000 qui n'ont pas l'électricité, monsieur le doyen. 7 000. Bon. Donc effectivement, ça devient un peu compliqué de recharger les moyens numériques des enseignants et des élèves. Mais rappelons-nous quand même que nous avons eu une digitalisation express, accélérée, en dehors de ce domaine. Monsieur le Premier ministre, on m'informe que nous devons absolument terminer à 19h. C'est pour ça que je vais vous demander 30 secondes, une heure, voilà. Une minute qui est devenue 30 secondes pour vous conclure. Je conclue en 30 secondes. Le lamento sur les jeunes, monsieur le ministre d'État. Vous ne pouvez pas dire que quiconque a trahi les jeunes. Les jeunes sont nos enfants, sont nos petits-enfants. Nous ne trahissons pas les jeunes. L'emploi, comme l'a dit Mme Guigou, il va beaucoup être industriel, il va beaucoup être dans les zones spéciales qui maintenant sont partout en train de se développer en Afrique. On nous a livré un continent, monsieur le ministre d'État, où chez nous, il y avait 100 km de route goudronnée, où il n'y avait pas de port, il y avait une jetée en bois de 300 mètres. Allez voir le port de Cotonou, allez voir le port de Lomé, allez à Dakar. Bon, on a dû créer des infrastructures, on nous a livré un système où on a dû dépenser du capital, et plus on dépense de capital, et moins on crée de travail.
Vous faites 7% de croissance au Sénégal, on fait 5% au Bénin. Par unité de PIB, nous dépensons 5 fois plus de capital qu'un pays comme la France. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien nous équiper. On nous a livré un continent totalement vide. Et on ne nous a pas livré la fiscalité qui permettrait de financer tout cela. Nous levons non pas 46% de produits obligatoires, de prélèvements obligatoires, mais 15. Avec 15, on peut absolument pas tout faire. Le lamento sur la jeunesse et le lamento sur la santé. Mais il nous faut créer un moyen, des moyens de financement. C'est pour ça que j'ai pris la liberté de parler un peu de dette, de maturité, de taux, etc. Il faut être réaliste. Nous avons aujourd'hui, pour créer des emplois, pour faire reculer le chômage dans votre pays, madame, dans le mien, il faut faire 7% de croissance pour que ça commence à créer des emplois nets marchands et à faire reculer le chômage. Pourquoi ? À cause de notre contenu en capital. L'industrialisation, c'est beaucoup moins fort en capital et bien plus fort en travail, comme les services modernes, que les infrastructures, que l'énergie. Mais l'énergie, on n'en a pas. Des routes, on n'en a pas. Des ports, on n'en a pas. En tout cas, en 1960, s'il y a une chose certaine, c'est qu'on n'en avait pas. Et maintenant, nous commençons à avoir un développement où il y a du coefficient de travail et pas simplement du coefficient de capital. Et maintenant, nous commençons à pouvoir avoir des politiques dans lesquelles nous pouvons avoir une base fiscale un peu plus sérieuse que ce qu'on nous a livré, c'est-à-dire des impôts de capitation. Ce sont des impôts de l'Empire romain qu'on ne peut pas faire plus injuste. Maintenant, nous commençons, et vous l'avez fait, vous, madame aussi, enfin, tous ceux qui ont été aux affaires l'ont fait, on fait des petits pas, mais on arrive petit à petit à créer des moyens de financement. Voilà, monsieur le Président, la gouvernance a beaucoup progressé ces dernières années, mais surtout beaucoup ces derniers mois, mais je vous assure qu'on venait de loin. Quand on vous livre un continent, quand les gens qui vous ont occupé et qui vous ont largement détruit vous livrent un continent qu'ils ont ramené au néolithique, si vous voulez, pour arriver à l'ère digitale en 2021, c'est vrai que ça demande quelques efforts. Je vous remercie et je vous ai laissé parce qu'il nous fallait une tonalité économique et de cet ordre aussi pour équilibrer. Et j'ai coutume de dire que nous avons en Afrique beaucoup de pensées politiques et pas assez de pensées économiques. La pensée financière a commencé, mais la théorie économique n'a pas complètement suivi. Et quand j'entends ça, bon, je prête attention. Il y a Madame Bekele qui n'était pas dans cet atelier et on m'a dit qu'elle est dans l'atelier, je dois lui donner la parole. Avec votre permission et avec son consentement, mais si je peux couper la poire en deux, au lieu de 7 minutes, la moitié, ça fait 3 et demi. Non, allez-y, vous avez la parole. Madame Nardos Bekele Thomas, la coordinatrice du système des Nations Unies en République sud-africaine. Merci beaucoup, grand frère. I think 3 minutes, I will say yes, I agree with all what you have said. Thank you very much. but anyway, because I've been given this opportunity, let me just say that, you know, I'm just so happy to be talking actually as a last speaker because of the fact that, you know, I have seen the enthusiasm and the optimism of some of our leaders, starting with our sister Aminata and also with the Prime Minister. It's very important to understand the fact that, you know, yes, with the demographic dividend, yes, with the GDP, that is not negligible when we talk about all our countries, the 54 countries. And yes, with a population of 1.2 billion consumers, producers, innovators, it's really possible to be the powerhouse, you know, in the 21st century, like, you know, Asia has been at the end of the 20th century. They started the way we did. Okay, but you know, while we have all this potential around us, we need also to reflect on how to co-create, you know, our systems to be
adaptable, to be relevant to the society of the future. I hate to say the future society, but it is to the society of the future, because we have to reimagine what it would be like. Therefore, first of all, the first thing what we have to reimagine is like the note, the concept note that you have produced, the chairperson, is really our political system. It's not doing a service. We really need to reflect deeper, go deeper, and analyze. What is it that we can do to tweak and to calibrate to make sure that it meets the need of the future? And the second thing I should say is that we are abandoning more and more, because of the media and everything, our value system. So how do we go back to our own African value system and have a moral regeneration? And that is for the cohesion, that is for peace building, that is us working together to implement the Agenda 2063. The third thing is, how do we reimagine also a governance system, a structure that enables us to work together in a coordinated, collaborative manner? And I will say this because of my experiences everywhere. We have adopted the system of a silo approach when it comes to implementation. But what is missing in Africa is not policy, not at all. We have many policies, and I agree with the speaker before. We have strategies, well thought out strategies, and Africa has now the capacity to produce its own policy, homegrown strategies. But implementation will be critically important. We cannot implement, and we have learned it from the the COVID-19 experience, we cannot implement something that is really a problem of one sector without bringing all the various sectors in a holistic manner. And therefore, an integrated approach is critical and very important. A whole society approach is very critical and very important. We have to bring our youth at the center and at the front. We have to bring our learning institutions, research institutions, technology centers at the front and the center in planning and implementation of our programs. And I think it's very critical and very important that we look at that. And finally is the partnership and resource mobilization. I'll be very brief. Partnership, it has to be equitable. A partner comes because the partner has an interest, but we have to have our strategy in engaging with that partner and discuss at an equal par. Resource mobilization and funding is very critical and very important. Our domestic resources could be used efficiently, effectively. The illicit financing should be stopped. Debts should be managed properly. And if we do all this and make sure that we are really going with a paradigm shift of saying we will manage, we're self-reliant, and teach our children, to be more of independent and not to be dependent and despondent, like my sister Aminata said, we will arrive there, and we will certainly be the powerhouse in the 21st century. Thank you very much. You're telling me like this, so you know. Merci, Madame Ados. Alors, j'ai décalé le programme. Il y a Monsieur Alain Antil qui était prévu comme je passais la parole. Où sont les organisateurs? Hein? Non, les organisateurs. Celui qui m'a filé le papier pour les 19h. Est-ce que vous m'entendez en cabine? Bon, nous terminerons à 19h30. Vous êtes d'accord? Non, sinon, les gens seront trop frustrés. Alors, je vais donner la parole à M. Antil Alain, qui est directeur du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Il sera le premier discutant. Et après, maintenant, la parole va aller dans la salle. Vous avez la parole. Alors, vous contractez votre discussion en 3 minutes et demie. Merci. Je vais poser 2 questions. J'en avais beaucoup plus, mais je vais me plier à l'exercice.
Merci pour toutes ces présentations. La première question sera d'ordre économique. Comme le disait tout à l'heure Madame la Première Ministre, le Nigeria est la première économie du continent et c'est assez amusant de se rappeler comment comptablement le Nigeria est devenu première économie du continent. C'est qu'il a tout simplement fait un travail de statistiques. Les institutions financières lui demandaient depuis des années de remettre à jour ses statistiques de PIB. Et je crois que c'est au tournant de l'année 2014-2015, le Nigeria a retrouvé que son PIB était en réalité supérieur de plus de 40% de ce qu'il avait compté l'année précédente. C'est pour aller dans votre sens, Madame le Premier ministre, c'est qu'on parle d'économies qui sont généralement mal connues. La question que je voulais poser à cet égard, c'est quand on regarde les évolutions globales au sud du Sahara et qu'on regarde cet indicateur qui est le PIB par habitant, on voit, et nous le savons tous, qu'entre 2000 et 2015, on a eu une croissance d'abord de PIB qui était très, très importante, ce qui recoupe un peu la démonstration que faisait Monsieur Lionel Zinzou. Mais aussi une sortie de la pauvreté et une amélioration assez rapide et assez visible des conditions de vie. Depuis 2015, on est sur des dynamiques différentes. C'est-à-dire qu'avant même la crise du Covid, on a une dégradation, on a même des années où la croissance du PIB par habitant est négative. S'ajoute à cela un certain nombre de questionnements sur le réendettement, sur ces questions-là. Moi, la question que je voulais poser, est-ce que ces questions sont juste conjoncturelles ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans un cycle à nouveau comme on a connu entre 80 et 2000, d'une espèce de stagnation économique? Ça, c'était la première question. La deuxième question sera beaucoup plus courte. L'un des enjeux, ça a été dit à plusieurs reprises, y compris par les premiers intervenants, c'est l'urbanisation de cette zone qui est plus rapide que ce qu'on a, enfin que partout ailleurs. Juste deux chiffres pour encadrer le propos. En 2010, on est à peu près à 1 milliard d'habitants, un peu plus au sud du Sahara, on a à peu près 33% d'urbains. En 2050, c'est-à-dire 40 ans après, et dans 30 ans, on aura entre 50 et 60% d'urbains sur une population globale qui aura doublé. Si on fait un compte rapide, on gagnera 650 à 700 millions d'urbains en une quarantaine d'années. Donc c'est clairement un enjeu très important. C'est à la fois une très bonne nouvelle parce que les villes sont des moteurs de croissance. Donc c'est des moteurs de transformation des sociétés à tous les niveaux, y compris économiques. Une des questions qui se posent, c'est, on y assiste malgré c'est que ces villes ont tendance à absorber tous les efforts d'investissement des pays, au détriment d'autres espaces qui parfois voient de loin, de très très loin même, les améliorations économiques qui ont été enregistrées ces 20 dernières années. Pour être un peu caricatural, que je dirais, dans certains pays, on a plusieurs pays. On a des villes, des grandes villes, avec un niveau de vie, avec des équipements, avec des services. Et puis, quand on s'éloigne vers les espaces périurbains et les villes secondaires, on a un deuxième type d'environnement. Et puis, dès qu'on s'éloigne de ces espaces et qu'on va vers le rural et le rural profond, on tombe parfois sur des vastes portions de territoire qui n'ont pas du tout été transformées par les 15 ou 20 années de croissance très, très importante que l'on a vues. Donc ça, c'est un problème majeur de gouvernance sur lequel je voulais vous interroger. Comment aborder ça? Parce que c'est plusieurs priorités à la fois et comment faire des arbitrages. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je m'en excuse. Si, alors, je vais passer la parole à la salle tout de suite. Il y a deux dames à ma gauche qui voulaient parler.
Il y a Madame Estelle, Madame Christine. Vous avez la parole. Bonjour, Estelle Youssoufa, je suis journaliste de formation. Je viens de Mayotte, dans l'océan Indien, département français, africain. Et je rebondis sur les propos de M. Cher Tidiane Gadio. En effet, la discussion sur l'Asie concerne le continent, ne serait-ce que parce que la moitié du continent a un océan Indien qui, sauf erreur géographique, est quand même déjà l'Asie. Cette discussion qui se tient ici aux Émirats devrait nous tous nous rappeler à quel point toute l'Afrique de l'Est est aussi une Afrique qui a été conquise par les Arabes du Golfe, qui ont amené l'islam, mais aussi le commerce des épices et l'esclavage. Je fais ce rappel historique parce que je suis un peu surprise par le peu de place qu'a le continent dans les discussions à la World Policy Conference, et surtout par le fait que effectivement l'Afrique est absolument actrice et doit être considérée comme une actrice sur la scène mondiale, et que pour le moment elle n'est que sujet dans les discussions. En tout cas, je le regrette. La deuxième chose qui m'a interpellée dans la discussion, c'est effectivement la question de la sécurité. Comme cela a été souligné, Daesh est jusqu'à Cabo Delgado, c'est-à-dire à 400 km d'un territoire français. Nous, à Mayotte, on est consternés de constater que la France ne prend pas la mesure du risque que pose Daesh. Le président Kagame envoie ses troupes, et tant mieux. Le sujet, c'est l'Union africaine, qui, je le rappelle, est largement financée par l'Union européenne. La faiblesse de sa réponse sur cette crise nous interroge, nous, contribuables européens, quid de notre politique? Et cette question se pose non seulement sur l'Afrique de l'Est, mais effectivement sur toute l'Afrique de l'Ouest, dont la zone francophone, nous constatons avec effarement l'effondrement extrêmement rapide, qui interroge là la politique française dans la région. Je vais plus loin parce que, effectivement, la question de la Chine et de la radicalisation extrêmement rapide et en tout cas brutale de l'échange entre Washington et Beijing interroge l'Afrique. Le président Kagame l'a dit très directement, mais ce n'est pas qu'une question de dette, c'est aussi de comment est-ce qu'on tire le bénéfice de cette crise. C'est une crise stratégique, on refonde tout l'espace mondial, comment est-ce que l'Afrique se positionne? Et là-dessus, je ne sais pas si la réflexion est effectivement engagée, j'aurais souhaité que ce soit l'objet des discussions. Et pour revenir sur les propos de M. Zinzou, par exemple, j'offre une petite piste sur la question fiscale. Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune discussion en Afrique sur le blockchain, sur le digital banking? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune discussion sur comment est-ce que les États africains qui enrichissent, les économies africaines qui enrichissent Orange Money ne bénéficient pas comme manière de lever un impôt pour les États africains dans lesquels elles opèrent? C'est-à-dire que les discussions qu'il y a avec les GAFA en Europe doivent être des discussions qui se tiennent en Afrique. Mais là-dessus, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et pour revenir sur les questions de sécurité, effectivement, la question de la cybersécurité en Afrique est une crise qui n'est absolument pas soulevée dans les discussions. Donc voilà, ce sont des sujets qui, pour moi, me paraissent urgents. Et si on ne veut pas parler de trahison du futur, là, pour le moment, l'absence de réflexion là-dessus ouvre quand même des perspectives assez inquiétantes. Merci. Merci. Madame Christine de Souche. Oui, beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je me suis réjouie du discours narratif mobilisateur que j'ai déjà entendu, enfin que j'ai entendu, que nous avons eu l'occasion et la chance de pouvoir entendre, ou en tout cas amorcer ici, comme le souhaitait Madame la Première Ministre. Deux réflexions. Sur d'abord la question, une question de fond et une question de méthode. Pour justement aller dans le sens de l'impulsion qui a été donnée en certains domaines par l'Afrique pendant ces deux années, la question justement de l'invitation, de l'incitation, de la sommation pour le retour de biens culturels. Je pense que c'est un débat, ceux qui sont autour de la table, beaucoup d'entre nous le connaissent mieux que moi.
mais je pense qu'il y a eu effectivement de la part d'Afrique une sorte d'impulsion donnée pour un grand débat, une réflexion mondiale qui s'est d'ores et déjà traduite par un certain nombre d'actes qui évidemment ne limitent pas la problématique à ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire, mais je pense que là, l'Afrique a véritablement, j'allais dire, donné une impulsion tout à fait remarquable et non seulement montré la place de la culture, de la mémoire dans le développement et dans la place, une place sur la scène internationale, mais également, bien sûr, pour l'avenir, pour nous tous, une réflexion à mener. Je pense qu'il y a là, effectivement, une des thématiques à aborder pour l'avenir. Deuxièmement, sur la méthode générale. Il faut savoir que l'Afrique, évidemment, la place que l'Afrique tient à l'IFRI, celle qu'elle a tenue, d'où on vient pour savoir où on va. Et déjà, il faut se féliciter, on l'avait déjà dit il y a 2 ans, qui est effectivement un atelier sur l'Afrique, ce qui n'était pas le cas pendant des années, mais également que nous avions recommandé lors de la session de Marrakech que, effectivement, les compétences, les analyses africaines puissent participer du débat plus général sur les thèmes qui sont abordés en séance plénière. J'y vois pas la question de l'espace, mais au niveau des thématiques générales et du dialogue entre les continents. Je pense que notre atelier peut recommander, une fois encore, effectivement, qu'il puisse y avoir, c'est pas exclusif, non seulement un travail en atelier, un travail en plénière, et également, M. Antil vient de prendre la parole, lui dirige le groupe Afrique à l'Institut français des relations internationales, et je pense qu'il pourrait y avoir une synergie peut-être plus grande, ou en tout cas plus prometteuse, sur ces différentes questions pour assurer un petit suivi. Dernier point, Monsieur le Président, je m'arrête là. Oui, un discours mobilisateur, une place peut-être dans les débats, comment le dire, plus grande. Mais surtout, j'allais dire, comment disposer d'instruments, notamment d'ouvrages ou en tous les cas d'éléments écrits ou sonores ou ce que l'on veut, qui permettent justement de faire le point sur ces éléments, ces zones d'ombre et ces avancées. Parce que il faut, j'allais dire, alors, il faudrait qu'il y ait en fait un rapport global qui fasse état justement de ces différents secteurs dans lesquels il y a des éléments positifs et d'autres qui évidemment laissent à désirer et qui puissent être portés à la plus grande connaissance du public. Alors on est tous autour de la table un certain nombre à avoir fait des rapports et à faire des rapports, etc. Mais est-ce que ce sont les bons rapports ou en tous les cas des rapports qui ne pourraient pas être mieux, j'allais dire, plus complet, peut-être mieux diffusé, moins technique, etc. Je me pose la question, en tout cas, c'est une question que je mets sur la table, parce qu'il est certain que ce sont des éléments importants à pouvoir discuter aussi bien avec les partenaires qu'à l'intérieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous pour vos interventions. C'était tout à fait passionnant. Merci. Bon, je vous remercie. Maintenant, je souhaiterais que personne ne sorte de cette salle frustré. Ceux qui n'ont pas parlé, ils sont sommés de parler, même si c'est 1 minute. Alors, je prends la liste de ceux qui veulent intervenir, qui sont sur ma gauche. Comme ça, je continue la lancer à gauche. Levez le doigt et vous donnez vos noms. Je vous inscris pour au moins me gratifier d'un mot. À gauche, personne? Non, attends, non. Toi, tu es intervenant. Non, c'est ça, je t'explique. Cher ami, que j'ai droit un droit de réponse quand même. Oui, tout là. Non. Voilà. Quand les débats seront terminés dans la salle, les communicants vont dire, je vais, en fonction du temps, je vais donner la minute qu'il faut. Et là, je ne vais pas vous consulter. Je vais d'autorité donner la minute qu'il faut pour répondre rapidement. À gauche, personne. À droite, personne. Bon, alors, vous notez tout ce que j'ai voulu, j'ai exigé que tout... Ah, monsieur, vous voulez parler? Bon, alors, monsieur, vous avez la parole. Il n'y a que ma gauche qui est active. Merci beaucoup. Je... Monsieur, c'est monsieur? Michel Kazatchkine. Ah, monsieur Michel Kazatchkine. Je vous remercie aussi de votre présidence et de toutes les, j'aimerais remercier tous les intervenants, c'était très intéressant. Je voudrais juste m'arrêter sur un seul point à propos du Covid-19, c'est que ce qui ressort de ces 2 jours et du climat environnant,
c'est qu'on est dans un momentum, comme on dit en anglais, pour des changements et des grandes réformes. Et il y a trois lieux de débat dans lesquels des réformes profondes et des changements en termes de financements internationaux vont être discutés dans les prochaines semaines. C'est le G20, c'est l'Assemblée mondiale de la santé extraordinaire sur le Covid en novembre à Genève, et c'est les Nations unies. Et quand je regarde les propositions qu'il y a autour des changements de gouvernance en matière de santé au plan international, je vois finalement que c'est à l'Assemblée générale des Nations unies que l'Afrique pourrait au mieux être placée pour porter sa voix et être dans une dimension inclusive du débat. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui se sont alliés à une coalition actuellement menée par le Canada, la Corée du Sud et d'autres pour réclamer une Assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur le Covid, comme il y en a eu sur le sida, comme il y en a eu sur Ebola, et comme il n'y a pas pu en avoir jusqu'à présent du fait de blocages, en particulier liés au conflit sino-américain. Il me semble absolument essentiel, si on parle de constituer un nouveau Global Health Threats Council ou une autre instance de gouvernance sur la santé mondiale, que la voix de l'Afrique s'exprime. Et la meilleure façon de le faire, ce sera à travers l'Assemblée générale et pas seulement à travers le G20, où l'Afrique n'est représentée que par un pays. Je vous remercie, monsieur. Je vais le noter dans la conclusion. Alors, je voudrais donner la place aux panélistes. Mais avant, je voudrais que monsieur Antil enregistre une de mes protestations. J'ai dit que tout le monde a la langue libre, y compris moi ici. Bon, on m'a chargé d'être président, on m'a donné une liste de ceux qui doivent intervenir, et avant qu'on arrive ici, j'ai réclamé. J'ai appelé l'IFRI pour savoir ceux qui sont désignés d'office dans l'atelier Afrique. Vous l'aurez, je n'ai pas eu, je l'ai eu au dernier moment et sur la liste, je n'avais pas un certain nombre de noms. Par exemple, Mme Nardos Bekele Thomas n'était pas dessus et je ne sais pas quand toi tu as eu ça, mais moi le papier que j'ai, tu n'étais pas dedans. Alors, les programmes ont changé. Non, ce n'est pas bien parce que vous me mettez dans l'embarras. Et oui, on donne un papier à Mme Nardos, elle figure bien en deuxième position après le chèque. Bon, moi, le papier qu'on me donne, celui qui est en deuxième position, c'est Nathalie Delapalme. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Donc, cette protestation, vous serez chargé de le porter. Alors, je voudrais vous proposer ceci. Parmi tous les panélistes, les deux qui ont appelé le plus de commentaires, c'est Cheikh Tidiane Gadio et Madame Touré. Vous êtes d'accord? Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais leur donner la parole. Oh non, il n'a pas été... On a pris acte de ce qu'il a dit, M. Zissou. La solidarité des speakers, je crois que tout le monde doit... Bon, tout le monde doit... Bon, OK. Donc, je reçois l'ordre, alors. Le chèque, lui, il est parti. Madame Nathalie Delapalme. Je vais essayer d'être très brève, Monsieur le Président, pour me faire pardonner. Je me plie à la méthode démocratique. Juste une réponse peut-être sur la question du PIB par habitant, par personne en Afrique. Je pense qu'il y a quand même une réponse qui est assez claire. C'est que quels que soient les progrès de la croissance économique, et ils sont considérables, ils continueront de courir après la croissance démographique. C'est vraiment un calcul très, très mathématique. La deuxième chose, c'est pour redire, et pardon parce que comme j'ai un peu accéléré à la fin, je ne l'ai pas dit, c'est pas du tout une vision pessimiste que je voulais donner. J'espère que je n'ai pas été mal comprise. J'ai parlé en anglais pour notre hôte, mais j'aurais peut-être dû finalement faire la présentation en français. Je pense que c'est l'opportunité, le moment où jamais, effectivement, d'inventer, de créer, de définir des nouveaux modèles de développement avec une souveraineté africaine beaucoup plus grande qui lui donne sa pleine place aujourd'hui dans les équilibres globaux.
Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Cheikh Tidiane Gadio, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je trouve, Monsieur le Président... Pardon, cette fois-ci, je vous demande de prendre exemple sur Madame de la Palme. Non, Monsieur le Président, vous avez demandé qu'on respecte le temps de parole. Moi, j'ai fait moins de 7 minutes, mais il y a des collègues qui ont fait 20 minutes. Et, avant. Non, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je veux dire que c'était quand même déséquilibré. Parce que si j'avais 20 minutes, j'aurais peut-être pas fait la même intervention en allant très vite. Je vais essayer de m'expliquer. Et ce qui fait que j'ai donné l'impression de prêter le flanc. Et je pense que le Premier ministre Zinsou, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, il le sait, je pense qu'il a été profondément injuste avec moi et mon intervention. Profondément injuste. Il m'a fait dire, dire des choses que je n'ai pas dites. Et ensuite... La résolution de nos différences prendra beaucoup plus de temps que les 5 minutes qu'on a ici. On a des différences fondamentales, on a même des divergences dans la façon de percevoir et d'agir dans le continent. J'ai fait 10 ans à l'Union africaine comme ministre des Affaires étrangères. L'Union africaine ne marche pas, Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas parce qu'on a pris un groupe d'experts qui a fait un bon travail, etc., des émissaires de l'Union... Moi, j'ai participé aussi dans les groupes du président Kagame avec le ministre Kabiruka sur la réforme, les groupes du président Obasanjo sur comment financer l'Union africaine. J'ai quelques idées sur comment fonctionne l'Union africaine. L'Union africaine est en deçà des espérances des Africains. C'est une union à changer complètement. Elle ne sait pas où elle va. Quand l'Union africaine demande quasiment la permission de pouvoir venir en Libye, parler de la Libye qui est en terre africaine, il y a un problème avec l'Union africaine. Et je suis franchement désolé de voir comment les choses sont présentées. En termes de chiffres, on peut avoir un festival de chiffres, etc., la croissance, tout ce qu'on veut. Parler de 5% Mali aujourd'hui, parler de 5% de croissance, ou Burkina Faso de 3%, 5%. Quelle importance ça a quand des régions entières du Burkina vivent sous la terreur, quand plus de 1000 écoles sont fermées au Mali, plus de 1000 écoles sont fermées au Burkina, quand 1 300 000... citoyens sont déplacés de leur zone. Quand la terreur règne partout, ça n'a aucune sorte d'importance que d'insister sur le taux de croissance de ces pays-là. C'est pour dire que la situation est extrêmement grave. Quand j'étais encore étudiant, un peu plus âgé d'ailleurs, parce que je faisais mon doctorat aux États-Unis, je faisais des conférences régulièrement un peu partout. Et je disais régulièrement que je renvoie dos à dos les afro-pessimistes et les afro-optimistes, parce qu'ils sont dans la même problématique, chacun de jauger comment les chiffres lui permettent d'être optimiste ou d'être pessimiste. J'avais dit, moi, que les panafricanistes, ceux qui croient en l'Afrique, ceux qui luttent pour l'Afrique, sont des afro-inconditionnels. Que ça aille bien ou que ça aille mal, ils sont inconditionnellement attachés au futur du continent. C'était notre combat. Et je disais que notre continent allait rebondir parce qu'on était encore plein d'espoir. On était au début des années 90. Malheureusement, ce que j'ai présenté ici comme chiffre, pourquoi en 60 ans de modèle de développement, on a 0 pays émergents en Afrique. Il y a quelque chose qui structurellement ne marche pas. Et c'est quelque chose, pour ainsi dire, c'est ce que les Cheikh Anta Diop, tous les grands panafricains du continent, ont vu dans les années 60, que le schéma que nous avions pris, ce que j'appelle les chevauchées solitaires des États africains, ça allait mener à un échec collectif. Tous les pays du monde qui ont eu les bons modèles s'en sont sortis relativement. En Afrique, certains pays, le Maroc et d'autres, se sont relativement bien débrouillés. Mais pour l'essentiel, allez en Guinée-Bissau, allez en Gambie, venez dans certaines contrées du Sénégal, regardez un peu ce qui se passe un peu partout dans le continent. Je suis désolé, on pouvait faire 100 fois mieux que ce que nous sommes en train de réussir. Maintenant, j'avertis sur le terrorisme. Je vois que beaucoup d'intellectuels ne partagent pas cette démarche parce que les gens préfèrent qu'on parle de ce qui marche, de ce qui va et qu'on continue d'encourager les Africains à croire fondamentalement que nous sommes dans la bonne direction. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous sommes dans la bonne direction. Monsieur le Premier ministre, je vous donne une information. Ceux qui travaillent dans le projet du califat islamique, ils appellent ça califat islamique 2025, basé en Libye, ils ont organisé récemment une opération qui a coûté très cher à l'Afrique et au Sahel. Ces gens-là, c'était qui ? L'État islamique, qui passe un accord avec Al-Qaïda, qui passe un accord avec le général Haftar, qui passe un accord avec Wagner et qui passe un accord avec des rebelles tchadiens
Ils organisent une opération, c'était pour éliminer le président Idriss Déby, c'était pas autre chose. Dès qu'ils ont réussi cela, ils ont reculé. Ces gens-là, nous les suivons depuis une dizaine d'années, avons régulièrement des informations. Je me suis assis avec le président Idriss Déby, que Dieu ait pitié de son âme. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se trame en Libye, etc. Je lui ai donné les informations que j'avais. Il me répond, non seulement je suis au courant, mais personne ne peut échapper à son destin. Mais je sais qu'ils ont décidé que j'étais le verrou qu'il faut d'abord éliminer pour régler les problèmes et prendre le Sahel. Prendre le Sahel et construire ce qu'ils appellent le califat islamique à l'horizon 2025. Alors moi, quand je suis informé de ça, quand ils enlèvent des amis libyens qui sont proches de ces milieux, en tout cas qui sont bien informés, disent qu'ils enlèvent des enfants au Niger, des enfants au Nigeria, au Tchad, ils les forment dans des madrasas, des écoles islamiques. Ces enfants à 12 ans sont formés jusqu'à l'âge de 19 ans. Certains étaient enlevés en 2012, 2013. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ils paraissent des colosses, des géants bien formés au maniement des armes. Ces gens préparent une offensive générale contre le Sahel. Je ne peux pas être informé de ça et aller dans des réunions et ne pas dire que la plus grande menace contre l'Afrique aujourd'hui, c'est le terrorisme. J'y crois fondamentalement. Et que l'Afrique n'a pas de réponse, n'a pas de solution innovante et que nos dirigeants esquivent la question régulièrement. Le sommet de l'Union africaine en février 2020 avait décidé d'un sommet extraordinaire sur le terrorisme. Le président Ramaphosa l'a fait annuler à cause de la pandémie, ce qui est normal. Mais depuis lors, on n'arrive toujours pas à tenir ce sommet, alors que c'est d'une grande urgence. Nous voulons une armée africaine, nous voulons des forces panafricaines qui prennent en charge la lutte pour la sécurité du continent et pour la sécurité des Africains. Comment des gens qui ont peur d'aller cultiver, qui ont peur de se déplacer, peuvent développer leur pays, peuvent faire avancer le continent. Et avant, si c'était une menace localisée, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Algérie a mené une guerre de 10 ans, entre 150 000 et 200 000 morts contre le terrorisme. Le Maroc déjoue chaque jour un attentat terroriste. La Tunisie, vous partez de là-bas maintenant, vous aboutissez au Mozambique, avec la province de Cabo Delgado. Ce que le président Kagame a fait est un acte panafricain que nous avons tous salué. Mais je dis que l'Afrique a de sérieux problèmes, qu'on ne peut pas les sous-estimer, on ne peut pas continuer à donner des chiffres de ce qui marche, comment nos intellectuels... Moi, quand nos amis du Quai d'Orsay ont sorti, dès le début de la pandémie, ils ont sorti une note interne, l'effet pangolin, annonçant que les morts vont joncher partout les rues en Afrique, il y aura des millions de morts, etc., etc., et que les islamistes vont prendre le pouvoir un peu partout, il y aura des révoltes populaires. Je les ai avertis que ce genre de message n'est pas bienvenu en Afrique. D'abord, il ne faut pas casser le moral des gens. Et ensuite, à l'époque, quand la France faisait 20 000, 30 000 contaminations par jour, on n'avait même pas 10 contaminations au Sénégal, même pas 12. Donc des gens qui ont de sérieux problèmes avaient pitié des gens qui, pour l'instant, se portaient relativement bien et géraient bien la pandémie. Donc il y a ce genre de situation globalement dans le continent, il faut dire la vérité à la jeunesse africaine. Monsieur le Premier ministre, moi je n'essaie pas de décourager la jeunesse africaine. Je constate que depuis 60 ans, et particulièrement les 20 dernières années, les politiques qui sont mises en œuvre par rapport à la jeunesse africaine n'ont pas donné les résultats escomptés. Ces jeunes-là vous disent, ne nous parlez pas des dirigeants africains aujourd'hui. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Si vous voulez commencer une discussion, ils se détournent de ces discussions-là. Parce que on est en train de leur enlever l'espoir. L'espoir qu'on peut bâtir une Afrique unie, une Afrique qui atteigne le niveau de la Chine ou de l'Inde. Quand le président Clinton dit que si l'Afrique centrale, Gabon, les deux Congo, etc., se mettaient ensemble, qu'ils pèsent 31 000 milliards de dollars potentiellement, plus que le budget des États-Unis, de la Chine, du Japon, etc., combinés. Quel est le problème? C'est comme si, encore une fois, Bachir Ben Yahmed de Jeune Afrique, et je conclue sur ça, il a écrit deux éditos, que Dieu ait pitié de son âme aussi, disant que le jour où les Africains s'unissent dans une union politique, le lendemain, ils sont le quatrième pays du monde. Le quatrième pays du monde. Et qu'il ne comprend pas qu'on veuille rester fragmenté, comme disait Cheikh Anta Diop, dans des États non viables. Il n'y a pas un seul État africain qui peut garantir sa souveraineté, qui peut défendre son territoire, qui a une armée pour cela. Et les terroristes l'ont prouvé avec des pick-up. Donc le continent
de ce point de vue, du point de vue de sa sécurité, de ses projets de développement, a de sérieux problèmes et l'intelligence africaine doit se pencher sur ces problèmes et apporter des réponses stratégiques. Et comme j'ai dit, quelqu'un a dit, nous avons des stratégies maintenant. Je suis désolé, je pense que l'Afrique n'a pas de stratégie. Elle cherche encore. Merci. Merci, M. Gadio. Je vous ai laissé parler pour des raisons que vous savez. Je parle à Mme Elisabeth Guigou. Elle est déjà partie. Donc, je passe à Mme Aminata Touré. Je ne dirai pas grand-chose de plus. D'abord, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela. Mais en réalité, je crois que mes deux chers frères disent la même chose sur des tons différents et des perspectives différentes. Mais je pense que nous avons tous les mêmes préoccupations de sécurité, de développement économique. J'enregistre l'alerte du ministre Cher Gadio, que je mets dans un contexte aussi où vraiment on sent quand même un changement d'attitude des dirigeants pour une meilleure prise en compte des intérêts africains. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de setting, c'est quand même de changer la perspective qu'il y a sur l'Afrique, qui est une perspective très en retard, qui se concentre sur nos intérêts, et c'est le point de vue des partenaires. Comme je dis, dans beaucoup de conférences où l'Afrique est sujet, plus qu'acteur, la perspective de chacun, c'est selon ses intérêts. Et il est important quand même qu'on change cette perspective en termes de partenariat gagnant-gagnant. Et ça, c'est le grand combat que l'Afrique doit engager avec ces différents partenaires, parce que l'évolution a changé. Vous avez et vous aurez de plus en plus des présidents qui sont nés bien après les indépendances, c'est mon cas, les plus jeunes vont arriver, la colonisation, machin, ils n'en ont plus rien à faire. Ils sont dans un autre monde, ils sont décomplexés. Et ça, je pense que c'est important que cela commence, tout comme je constate aussi, et ça il faut le dire, un changement de perspective des jeunesses. Européenne, etc. Encore que, quand ils arrivent au pouvoir, peut-être qu'ils sont pris dans un système où les comportements ne sont pas si changeants que ce qu'on a vu, disons, par le passé. Mais ça, je pense que c'est un travail que les intellectuels africains doivent faire pour que, justement, cette perspective-là change. Et je crois que nous avons nous-mêmes à faire un travail de public relations qu'on ne fait pas. Vous mettez les chaînes. Je vois de plus en plus maintenant certains pays, ça coûte de l'argent aussi faire de la relation publique, organiser de grands forats, avoir de la publicité sur CNN et autres, c'est beaucoup d'argent. Mais à mon avis, c'est un investissement qu'il faut faire. Parce que ce qu'on récolte de tout ça, c'est une perspective du risque qui n'a rien à voir avec la réalité et ça nous coûte des taux d'intérêt sur les marchés beaucoup plus élevés que ce que ça devrait être. Maintenant, la question de la sécurité, elle est un peu plus claire. Il faut qu'on puisse avancer vers des propositions très concrètes. Je considère qu'il faut quand même des troupes d'interposition, de prévention africaines qui ne seront pas peut-être mobilisées sur des bases permanentes, mais en fonction un peu des événements, etc. Et surtout faire beaucoup plus de prévention, parce que je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. On laisse les choses se détériorer et arriver à un moment où c'est quasiment impossible d'agir. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, mais je crois que, on est tous préoccupés par la même chose, c'est comment accompagner cette dynamique, de progrès et de volonté des jeunes Africains de s'en sortir. Parce que, on a beau dire, ce qu'on voit aussi sur les télés, c'est des jeunes embarqués dans des pirogues de fortune qui meurent en mer, qui veulent coûte que coûte venir en Afrique, mais on ne monte pas l'autre côté. Tellement de création d'emplois, d'innovation, etc. Et ça, c'est à nous de le faire, nous les Africains. Personne ne le fera à notre place. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire en me félicitant de ce débat. Peut-être qu'une des recommandations, monsieur le président de séance, c'est quand même pour la prochaine édition qu'on soit moins entre nous et qu'on soit en plénière pour discuter de ces questions-là et informer le reste des participants. Ça, c'est en tout cas pour ce qui me concerne, une des recommandations que je suggérerais. Je vous remercie.
Vous remercie aussi Monsieur le Premier ministre Lionel Zizou. Merci, Monsieur le Président. Je vais mettre encore mes pas dans ceux de Madame Touré. La question, c'était pas du tout de créer des controverses ou de blesser tel ou tel, mais d'essayer de dire, bon, il y a des progrès qui se font, et notamment et même en période de pandémie, et où est-ce qu'on en est, et sur quel front il faut agir. Vous savez, les économies, Monsieur Antil, sont pas mal connues. On a révisé effectivement le PIB du Nigeria de 84%, celui du Ghana de 40%, celui du Bénin de 20%. Le dernier, c'est le Togo, il y a quelques mois. On a fait Djibouti pour 20%, etc. Parce que les nomenclatures des comptes nationaux, exactement comme en France, changent, mais pas au rythme où change l'économie. Et par exemple, tout le domaine des télécoms était complètement sous-estimé. De façon générale, tout le domaine des services. Donc, ce n'est pas l'opacité sur le secteur informel. Le secteur informel, on le recoupe par toute une série de moyens. Le secteur informel, c'est pour l'essentiel l'agriculture. Et l'agriculture, on a tout à fait les moyens d'arriver à simuler la production, même si on n'a pas de déclaration, pas de TVA, rien. On est parfaitement capable de savoir exactement quels sont les emblavements, quels sont... C'est bien. On arrive à peu près à reconstituer le secteur informel qui ne se déclare pas. Et en revanche, il y a des éléments technologiques et de services qui n'étaient pas très bien... qu'il faut actualiser plus vite, parce que ça va plus vite en Afrique qu'ailleurs. Parce qu'au lieu de faire une croissance de 1,2% comme la France, on a fait des 15 ans de croissance à 5%. Depuis 2015, il y a un effondrement du prix relatif des matières premières minérales qui explique 70% du tassement. Et en revanche, évidemment, les pays qui ne sont pas dépendants des matières premières minérales, par exemple les pays de l'UMOA, par opposition au Nigeria à l'intérieur de la CDEAO, eux sont allés beaucoup plus vite en 2015. Un tout petit problème d'avoir une monnaie commune un jour, c'est que nous sommes en général à contre-cycle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest du Nigeria, tant que le Nigeria a une pétromonnaie. Bon, comme les hydrocarbures baissent énormément et que l'agriculture monte énormément et les services montent énormément dans l'économie nigériane, on va se ressembler de plus en plus et on dominera ce problème à 5-10 ans. 10 ans, disons. Mais pour l'instant, c'est un sujet. Et donc c'est vrai que le CA, les deux parties de l'Afrique qui vont le plus vite en croissance, sont très connues pour des raisons très connues. C'est le CA autour du Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda. Et c'est l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA. C'est les deux pôles de croissance très fortes, parce que c'est des économies diversifiées, pas dépendantes des matières premières minérales qui ont eu un problème de prix relatif inverse après 2015, ce qu'il a été dans les 10 années qui précédaient. De même sur l'urbanisation, oui, on sait parfaitement qu'il va falloir accommoder en quelques décennies, il va falloir accommoder plusieurs centaines de millions d'urbains nouveaux. On sait que ça va être un ressort de croissance économique très important. Mais évidemment, il y a des pays qui ont une capacité de planification qui est plus grande que d'autres. Et ça va être le chaos dans un certain nombre de pays, il n'y a pas de doute. Et ça va être bien administré dans d'autres pays. Et ça va être un des défis de gouvernance. D'avoir une gouvernance urbaine, ça pose des tas de problèmes. Regardez les problèmes politiques des maires de très grandes agglomérations dans nos pays. Parce que, comme vous faites en moyenne dans les pays africains, 75% du PIB dans la capitale. Pour ne pas dire, bon, 90% dans les villes, mais vous faites 64%. Enfin, j'exagère parce qu'il y a toute l'agriculture qui fait quand même globalement 25% du PIB. Mais vous avez une très, très forte concentration dans les villes capitales. Et donc, ça pose des tas de problèmes d'autonomie financière. Quand la mairie de Dakar fait un projet d'émission obligataire, qu'elle pourra parfaitement servir, avec une garantie de l'USAID, c'est très novateur, c'est exactement ce dont ont besoin nos villes, mais ça pose un problème politique au Sénégal, que je ne vais pas expliquer, parce qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi. Mais, vous voyez, moi je regarde le destin des maires de Cotonou, c'est pas facile d'être le maire de Cotonou, parce que c'est l'autre pouvoir, si on le laisse advenir, dans le pays, l'autre pouvoir économique. Or, pourtant, il va falloir trouver des moyens de gouvernance urbaine. Moi, je mettrais ça dans le rapport si j'étais le président de séance. Évidemment que vous avez soulevé un problème d'urbanisation qui a été soulevé aussi par d'autres orateurs. Mais surtout, je voudrais dire à M. Gadiot que, d'abord,
J'ai dit ça en toute amitié, mais pour qu'il y ait un peu débat. Simplement, je suis d'accord avec vous. Si vous me demandez aujourd'hui, dans l'absolu, est-ce que je suis heureux de l'Union africaine ? Je vous dirais non. Et j'adhère à ce que vous avez dit, l'Union africaine ne marche pas. Mais c'est comme si vous me disiez, l'ONU est un machin. Bon, le président français, Charles de Gaulle, a dit que l'ONU était un machin, et à certains égards, ça reste un machin. Bon, j'ai essayé de vous dire, il y a des progrès. Ce qu'elle a fait en matière de financement ces derniers mois, c'est un espace de progrès. D'avoir trouvé 4 envoyés spéciaux, d'avoir demandé à Strive Massiwa de s'occuper de la logistique, c'est un progrès. Je ne vous dis pas que dans l'absolu, on a atteint le niveau de pertinence. Je vous dis, ce sont des vrais progrès. Je suis parfaitement conscient qu'on a créé un fonds de paix et de sécurité, et je suis parfaitement conscient qu'on ne l'a pas rempli. Donc, c'est évidemment, c'est mieux d'avoir créé un fonds et de commencer à dire, et que des gens comme le président Kagame l'incarne et le fasse. Les Africains doivent commencer à intervenir. Ce n'est pas une mauvaise chose que les Kenyans et les Éthiopiens aient fait en Somalie le travail que l'armée américaine n'a pas réussi à faire. L'armée américaine a eu une défaite, une de ses premières défaites spectaculaires. Bon, et puis, si aujourd'hui il y a une Somalie qui a un avenir, c'est grâce au Kenya et c'est grâce à l'Éthiopie. Il y a des petits pas, il y a des petits progrès. Donc je vous donne acte, je ne suis pas du tout, comme Africain, satisfait de nos organisations, mais je constate qu'elles vont dans le bon sens au lieu de régresser. C'est tout ce que je voulais dire. C'est notre divergence est peut-être là, c'est que je pondère ça un tout petit peu plus généreusement que vous. Je suis d'accord que les taux de croissance ne sont pas très significatifs. Je suis de votre avis, il faut préciser que au Sénégal, ce n'est pas 75% du PIB, mais l'agglomération de Dakar, c'est quand même plus de 60% du PIB, alors que c'est 75% de l'agglomération du Grand Cotonou. Il faut qualifier quand on parle de PIB. Il faut qualifier, qu'est-ce que ça veut dire par tête ? Bon. Mais on a de plus en plus d'informations. Tout à l'heure, vous nous disiez, est-ce qu'on a les bons rapports ? Écoutez, à côté de moi, il y a la productrice de toutes les informations de gouvernance sur un très grand nombre, des dizaines d'indicateurs qui sont des métriques, des instruments de mesure absolument nouveaux. Regardez les perspectives économiques africaines de la BAD. Oui, on commence à avoir des instruments, y compris des instruments de fondations africaines ou d'organismes multilatéraux africains qui donnent une bonne qualité d'information, et on commence à avoir des économistes qui nous donnent des instruments et qui sont des économistes africains, donc on a besoin pour développer des modèles africains, parce que nos modèles sont de plus en plus africains. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est je suis entièrement d'accord, M. Gadiou, avec ce que vous avez dit sur le terrorisme et sur l'alerte. Moi, j'ai les mêmes informations que vous. En plus, j'ai des informations qui montrent que notre pays, le Bénin, monsieur le président de séance, comme le Togo, comme le Ghana, sont la prochaine cible. Parce que ce n'est pas seulement le califat 2025, il ne part pas de Sokoto pour reprendre les frontières de Sokoto, il va vraiment jusqu'à la mer. Et tout à l'heure, on nous a interpellés sur l'océan Indien. Oui, il y a une diagonale du terrorisme et franchement, on n'en est pas exonéré. Moi, j'étais dans une conférence à Nairobi il y a 15 jours, entouré de 5 gardes du corps. Je me dis, ça n'a aucun sens. Oui, enfin, ça n'a aucun sens, sauf que quand les Chebabs font un coup de main à Nairobi, ça fait 50 morts et dans les universités, ça en fait 150, etc. Donc, oui, votre alerte, je pense qu'elle est très sous-estimée et nous n'avons pas les moyens de répondre. Nous sommes infiniment moins riches que les terroristes. Vous voyez, il y a 310 000 hommes dans les forces armées françaises pour un territoire qui fait le tiers du Mali. Au Mali, les hommes en uniforme sont 13 000. Nous avons, tout à l'heure, Nathalie a commencé, et je crois que c'est très important, en disant le nombre de médecins et de lits d'hôpital par 10 000 habitants. Mais on a le même niveau d'indicateurs en termes de policiers, de gendarmes et de soldats par dizaines de milliers d'habitants. On n'en a pas. On ne tient pas 1,5 million de territoire avec 13 000 hommes. Ça n'est pas possible.
Ça n'est pas possible. Il y a une raison pour laquelle il y a 310 000 hommes hors police, mais gendarmerie comprise, en République française. C'est impossible. Et ça recoupe ce qu'on disait. Quand vous dépensez 2% pour la santé, c'est la même logique qui vous fait dépenser 3%, 2% du PIB en temps de guerre pour l'économie militaire, pour de la sécurité. Or, aujourd'hui, si vous voulez donner de l'aliment à votre thèse que je partage complètement, regardez la note du Fonds monétaire international qui félicite le Tchad, il y a 2 ans, juste avant la pandémie, d'avoir réduit son déficit budgétaire à 0,8% du PIB. La France est à quoi ? À 10, à 9 ? Je vous félicite d'avoir suivi nos conseils. 0,8% du PIB dans un pays qui assure la sécurité du nord du Cameroun, de l'ouest du Nigeria, du Niger, du Mali. C'est absolument scandaleux. Regardez, l'aide publique au développement ne peut pas venir financer l'aide à la sécurité. Mais c'est un verrou à faire sauter. Donc on a des sujets de gouvernance que le Fonds monétaire arrête de considérer hors budget de la défense des pays en guerre. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Personne ne le dit. Disons-le ensemble. Ça, c'est un vrai sujet de gouvernance. Même chose sur l'aide publique au développement. On est légitime à recevoir de l'aide de sécurité. Ça demande des moyens électroniques, etc. C'est très important. Et puis, disons-le, on a démantelé beaucoup de nos services publics dans les ajustements structurels des années 90. Et maintenant, on nous dit, vous contrôlez plus vos territoires, vous n'avez plus de services publics dans les 2/3 du Mali. Mais attendez, on a démantelé. Monsieur le Président, voilà, nous sommes en dépassement de 45 minutes. Voilà, Monsieur le Président. Mais voilà. Je voulais apaiser monsieur le ministre d'État On est franchement, comme l'a dit Aminata, ça se passe entre amis. Grand mouvement de tolérance. Je crois qu'on dit la même chose, sauf que moi, les petits pas, bon, je les compte et vous marchez à grandes enjambées. Bon, merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que nous avons terminé. Je suis resté un peu sur ma faim parce que je vais voir, j'aurai beaucoup de travail pour faire un petit rapport demain. Alors, je dois dire ceci. Est-ce que M. Antil a été satisfait à ces questions? Oui. Bon, alors, je dois dire que je remercie Mme Christine Dessouche d'avoir évoqué la question de culture. C'était dans mon papier, mais comme j'ai voulu gagner du temps, l'Afrique a fait un pas. Mais dans le même temps, l'Union africaine ne marche pas comme elle devait marcher. Les petits pas, les grands pas, il faut le dire. Et merci de l'avoir dit. Parce que dans l'affaire Hissène Habré, par 3 fois, j'ai failli démissionner. Le président de la commission de l'Union africaine m'a mandaté pour aller au Sénégal, pour que le Sénégal, de trouver un système juridique, pour que le Sénégal puisse juger. J'ai trouvé. Avec d'autres collègues, on a trouvé. Et puis, ça a commencé à zozoter, à me dribbler, zigzag, et on est arrivé au financement. Seul le Sénégal, le Tchad et la Commission de l'Union africaine ont mis de l'argent dans cette affaire. Le président de la Commission m'a envoyé faire le tour en Amérique et en Europe pour demander de l'argent pour financer. Au final, c'est l'extérieur qui a financé ce procès, à l'exception du Sénégal, du Tchad et de la Commission de l'Union africaine. Or, 2 fois par an, ils votaient des résolutions pour que tout le monde finance. C'est anormal et il faut le dire, merci de l'avoir dit. Depuis la création de l'OUA, des conneries comme ça existent, des choses qui ne sont pas justes existent et il faut le dire. Ensuite, on a créé une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au total, il n'y a eu depuis la création de la Cour que 10 États sur 57 qui ont ratifié le protocole de la Cour. Et sur les 10 États, il y en a 4 qui ont retiré leur adhésion. Et aujourd'hui, cette Cour ne tourne là que pour 6 États africains. C'est une honte, c'est pas normal, il faut le dire. Et enfin, je dis ceci. Kwame Nkrumah avait vu juste, en 1964, au sommet du Caire,
provoquant l'ire de tyrannes, il dit qu'il faut créer une armée continentale. Mais ce que Kwame Nkrumah avait dit, ça a été mis en œuvre à Equimog. J'étais ministre des Affaires étrangères et par deux fois de suite, mon président Nicéphore Dédoné Soglo a été président en exercice de la CEDEAO. Donc j'ai eu tous les généraux, les machins qui commandaient l'Equimog là sur mon dos. On m'appelle à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Moi j'appelais Siamara en Côte d'Ivoire, j'appelais Moustapha Niass au Sénégal, on se concertait. Voilà tous les deux principaux ministres que j'appelais. Et ça a très bien marché. Mais pourquoi il n'y a plus d'Equimog? Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a eu Equimog, parce que le Nigeria s'est mis en force dedans. Aujourd'hui, le Nigeria hésite, parce que le Nigeria avait beaucoup banqué à l'époque. Et des cas de ce genre, où il y a l'inconséquence de nos organisations, ça existe. Donc, vous êtes d'accord, l'un fait grand pas pour dénoncer, vous petit pas pour révéler ce qui est positif, et nous sommes tous d'accord. Il y a d'autres cas qu'on doit dire. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cet atelier et vous rassurer que je suis aussi déçu que vous tous qu'on n'ait pas eu le temps de creuser davantage les passionnantes questions que vous avez évoquées. Je vous remercie.